Mesdames et messieurs, ici Diane Gagnon. Vous êtes à Porteur d'espoir sur les ondes de CJMD 96,9 à Lévis. Alors, ça me fait plaisir de vous recevoir ce matin parce que, enfin, pour les gens qui nous écoutent en Europe, là, puis qui ont vu la pluie, la neige et tout, aujourd'hui, il fait soleil, croyez-le ou non, on est tous en train de virer fou parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le soleil. Puis je pense que ça donne bien des idées d'école buissonnière à bien des gens. Ce matin, comme vous l'aviez vu sur ma page Facebook hier, je vous ai annoncé que je recevais mon ami Régis Lachance. Bon matin, Régis. Bon matin, ma belle Diane. Ça va bien? Ça va super bien, merci. Alors, tu viens de Montréal pour nous rencontrer. Tu es venu faire une émission de radio, je pense, à Montmagny, de télé hier. De télévision à Montmagny pour un petit 12 minutes d'enregistrement sur mon livre. Oui. Puis aujourd'hui, j'ai le grand bonheur d'être avec toi. Oui, ça fait longtemps qu'on a planifié ça, en plus. Pour les gens qui veulent d'abord commenter ou poser des questions à Régis, vous pouvez le faire comme à l'habitude sur ma page Facebook Diane Gagnon perso complet. On va lire vos commentaires et vos questions en ondes un petit peu plus tard. Et pour ceux qui se demandent c'est qui Régis Lachance, ben vous avez vu la première photo de Régis, mon beau tatoué, et la seconde avec son livre dont la couverture fait fureur, et c'est toi sur la couverture. C'est pour moi maintenant, c'est sûr. Ça a déjà été toi. Maintenant. Ça a déjà été moi. Parce que faut vous taperez ça là, ma vie mise à nu. Vous irez voir sur ma page Facebook. Vous allez voir la magnifique photo. C'était assez provocant. Régis, t'as une histoire extraordinaire. Moi, j'ai lu ton livre, j'ai dévoré ton livre. Je devrais dire, je le lisais, puis j'avais juste hâte de te voir pour te prendre dans mes bras. Tu sais, je me disais, pouti minou, ça n'a pas de bon sens vivre des affaires de même. Tu sais, et puis en même temps, ben t'es la preuve que avec toutes les horreurs que tu as vécues, t'es vraiment la preuve qu'on peut sortir de tout. Puis tu sais, aujourd'hui, tu consacres ta vie à faire du bien aux autres, puis à être dans le don de soi. Tu vas nous parler de ce que tu fais tantôt, t'es conférencier, t'écris un livre, t'es en demande de plus en plus. On s'est rencontrés au Salon de l'éveil, tes conférences sont full. C'est vrai. Full, plein d'énergie. Oui, c'est vraiment génial. Puis pourtant, dans ta vie, ça te destinait pas tout à fait à ça. Pas vraiment. Écoute, on a deux belles heures devant nous. Il y a pas d'interruption, il y a pas de pause, il y a pas de musique. Alors, j'aimerais ça que tu racontes ta fantastique histoire à nos auditeurs. On va prendre le temps de faire le tour de ça. Parce que t'es un enfant qui a manqué beaucoup d'amour. Puis aujourd'hui, ça te fait travailler. Tu même, en fait, le message d'espoir qu'on veut donner, c'est que même quand on manque d'amour, on peut arriver à s'aimer plus tard et à aimer et à être aimé. Effectivement. Alors, tu es né, je me rappelle même plus. Saint-Georges-de-Beauce. Oui, Saint-Georges-de-Beauce. Un petit jarret noir. Qui est maintenant coloré, je suppose. Effectivement. Et puis, t'étais fils unique. Non, t'as eu une sœur plus tard, mais... Oui, c'est ça. Raconte-nous un peu cette histoire-là. T'es né à Saint-Georges-de-Beauce. Oui, je suis né le 26 juin 1973 à Saint-Georges-de-Beauce. J'ai une demi-sœur qui s'appelle Karine. J'ai pas de frère ou de sœur à ma connaissance. Mon père, je le connais pas. Okay? Fait que t'en as peut-être d'autres. J'en ai peut-être d'autres. J'ai peut-être des surprises dans le monde, on le sait pas. Ouais, ouais. Il y a eu beaucoup de mentries à ce niveau-là. Fait qu'on pourra peut-être élaborer un petit peu plus tout à l'heure. C'est ça. Fait que moi, si je pourrais commencer à partir de mon plus bas âge. Oui. Malheureusement, à l'âge d'environ 4 ans, j'ai été agressé sexuellement. Ouais. Je connais pas encore mon agresseur. C'était pas des copains de ta mère? On n'a aucune idée. On n'a aucune idée. T'as pas de souvenir. J'ai pas de souvenir de ça. Je sais que je vais vous raconter quelque chose à cet effet-là un petit peu plus tard, dans ma vie intime. Grosso modo, c'est sûr qu'en grandissant aussi, ben j'ai pas de scolarité. J'ai doublé ma cinquième année 2 fois. Mon secondaire 1, je l'ai doublé 3 fois. Fait que j'ai dit, on va aller sur le marché du travail. Mais, tu sais, raconte-nous ce que tu vivais avec ta mère, parce que ta mère était alcoolique. Oui, elle était alcoolique. Ma mère, elle a fait des dizaines de tentatives de suicide quand j'étais petit devant moi. Oh my God. Si je recule le plus loin que je pourrais me reculer, mettons vers l'âge de 5 ans. Je suis dans ma chambre, à côté sur la porte, il fait noir. Et ma mère est l'autre côté de la porte dans le salon, en train d'avaler des pilules, à moitié morte à terre. Et je peux pas bouger dans ce temps-là. Je suis figé sur la porte. Et ce qui était drôle dans ce temps-là, c'est que
il y avait une lumière au-dessus de moi. On pourrait parler un petit peu de la médiumnité tantôt. Et je parlais à cette lumière-là. Et je demandais à la lumière de me laisser plus de temps parce que je savais que j'allais en baver en tabarouette à partir de ce moment-là. Mais laissé plus de temps pour... J'avais l'impression que j'aurais pas assez de temps pour faire ce que j'avais à faire à ce moment-là. Mais je savais qu'au bout de la ligne, il y avait quelque chose de grandiose dans tout ça. OK. Ah, vers tu le sentais déjà. Je le sentais déjà. Okay. Mais je savais que j'étais pour en baver. Et ainsi de suite, ben ma mère, ça a été reprise par reprise. Tentative de suicide avec des pilules. Sexe physique dans la voiture aussi. Ah, oh, mon Dieu. Est-ce que c'est toi qui l'a trouvé, qui l'a sauvé? Des fois oui, des fois non. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais témoin de écoute, ça? Écoute, j'appelais l'urgence, j'appelais ma grand-mère, la famille. Des fois, je chicanais au téléphone avec un de mes oncles. Après ça, ils partaient les deux pour essayer de suicider par exphysie les deux. Mon Dieu Seigneur. Ah, ça, tu l'as pas écrit c'est... dans ton livre? Non, j'ai pas tout marqué parce que... Ah, ben oui. Moi, le but du livre, si je peux faire une petite parenthèse, c'est que je voulais pas toutes mettre les 10, 12 tentatives de suicide et tout ce que j'ai vécu parce que je voulais pas que ça devienne un livre qui est lourd. Moi, mon but, c'était vraiment de partager mon expérience et de dire aux gens, regardez, ça, c'était à peu près ce que j'ai vécu. Il y en a beaucoup plus que ça, mais ça, c'est à peu près, mettons, la moyenne. Et je voulais pas que ça devienne trop lourd à ce moment-là. Fait que c'était juste d'effleurer un peu. Puis je pense qu'on effleure pas mal, assez profond. Ben écoute, d'abord, on peut pas s'arrêter de lire parce que c'est touchant, tu sais, on a hâte de voir ce qui va arriver au petit Régis, puis tu sais, c'est une aventure après l'autre, là, tu sais, t'as eu le bonheur, je dirais, d'avoir ta grand-mère qui a pris soin de toi. C'était la mère de ta mère. Ouais, c'était la mère de ma mère, puis on pourrait dire que c'est elle qui m'a élevé. Ouais. Elle s'occupait de moi, elle faisait à manger. Je veux pas trop dénigrer ma mère non plus, dans le sens que c'est une très bonne cuisinière. Elle, dans le fond, je pense qu'elle a pas eu d'amour. Pour être capable de bien la ressentir. Est-ce que tu connais son histoire à elle, son enfance à elle? Je sais que ça brossait pas mal. Il était 14 dans la famille. Ah, oh, mon Dieu. Fait que ça brossait des fois à coups de ceinture, j'imagine. Puis c'était un peu comme dans le temps, là. C'était sévère. T'as rough. Mais je pense que ma mère a toujours bu depuis toute son enfance de qu'est-ce que je me souviens, qu'est-ce que je me suis fait dire. Fait que pour moi, je l'ai tout le temps vu. Saoul. Pacté, saoul. Très rarement à jeun, à part quand elle travaillait. Mais c'était vraiment les seuls moments. Et à toutes les fois, j'aimerais spécifier ça, qu'elle faisait une tentative de suicide depuis mes bas âges, ben je voyais toujours des croix blanches apparaître. Ah oui. Que j'étais à la maison, que j'étais à l'extérieur, que j'étais au Larch Beach. C'était comme le signal qui disait « Oh, ma mère est en train de faire une tentative Exactement. De suicide. » Exactement. J'avais beau avoir les yeux fermés, les yeux ouverts, floum, ça paraissait. Puis à ce moment-là, ça m'indiquait que, bon, j'arrive à la maison, je vais appeler à l'hôpital direct. Puis comme de bonne, c'était comme ça. Mais alors, petit, tu te fais agresser, ta mère, qu'est-ce qui te reste là, comme souvenir de ça? Parce que tu dis, je le sais que c'était à 4 ans. Ben, ta c'est mère... environ 24 ans, des alentours de 4 ans. Ta mère est où à ce moment-là? Ma mère était à la maison, à travail. J'ai aucune idée. Moi, je vais t'expliquer. On va rentrer dans les détails un petit peu direct. Et si c'est trop, ben, tu pourras me le dire. Vas-y. OK. Moi, dans ma vie sexuelle, depuis mon enfance, dans la vingtaine, quand je me découvrais, si on peut appeler ça ainsi, quand je jouais avec mon corps et tout ça, ben je me tirais les cheveux, puis je me rentrais le doigt dans l'anus. Ouais. Et là, je ressentais une colère là incroyable, puis j'arrivais pas à comprendre de où que ça venait. Ouais. Et à un moment donné, j'étais voir une coach de vie qui, elle voyait les auras, elle pouvait décrire là ta vie de A à Z sans que tu dises un mot. Puis elle me l'a dit, elle dit, Régis, tu fais ces actes-là pour telle raison. Et quand elle me l'a dit, ça a été comme un réconfort parce que j'ai compris que ça se pouvait fortement. Puis pour moi, il n'y a aucun doute, là. Ouais. Parce que jamais j'aurais fait des gestes comme ça s'il n'y aurait pas eu une agression quelconque. As-tu essayé de récupérer ces mémoires-là? J'ai essayé par la méditation, ça m'est pas revenu. J'ai essayé de lâcher prise. On avait Jean-Charles Chabot qui était ici la semaine dernière, qui avec l'hypnose pourrait peut-être. Peut-être. Faudrait que j'essaye. Ouais. Mais j'ai comme pardonné, tu vois. Ouais. L'effet que j'ai pris conscience que c'était ça. T'as pas besoin d'aller chercher j'ai plus. J'ai comme pas besoin d'aller chercher plus. Okay. Pas pour l'instant. Peut-être qu'un jour, mais pour l'instant, pour moi, c'est réglé, c'est pardonné. OK. Et j'ai pu cheminer à travers ça quand même, là. OK. Alors, à ce moment-là, tu sais pas ce que faisait ta mère, tu sais pas comment c'est arrivé. Puis après ça, tu continues, à partir de quel âge t'es allé vivre avec ta grand-mère? Ben, moi, j'ai pas mal tout le temps vécu avec elle. Quand ma mère travaillait, c'est ma grand-mère qui s'occupait de moi. Qu'est-ce qu'elle faisait déjà, ta mère? Elle travaillait dans un restaurant comme serveuse, cuisinière. Elle demandait, elle a eu un petit casse-croûte à elle un petit peu plus tard aussi. Okay. Elle était très travaillante.
C'est juste qu'arrivé à la maison, ben là, elle s'occupe pas vraiment de toi à part de te donner à manger. Puis c'est correct, on mangeait, on manquait pas de rien au niveau matériel. Elle jouait pas avec toi. Non, c'était pas, il y avait pas d'amour, il y avait pas d'affection, c'était froid comme un morceau de glace. Il y avait pas de conversation. Pas vraiment de conversation. Moi, j'ai essayé d'y parler à ma mère à plusieurs reprises dans mon adolescence. Là. Vers 12, 13 ans, là, je m'assisais en face d'elle, là, je prenais le temps de parler quand elle était dégrisée. Et là, je lui disais, maman, ben, j'aime pas ça de voir de même. Tu comprends? Fait que ma mère, elle me laissait parler. Et là, elle me regardait en pleine face, puis elle me disait, Régis, tu manques de rien ici. T'as dit, moi, je fais rien de mal, là. Fait que si t'es pas content, ben, prends tes affaires, puis crisse ton camp chez ta grand-mère. Elle me parlait comme ça. Incroyable. Ouais, t'as 12 ans, là. Incroyable. Fait qu'à 15 ans, j'ai pris mes affaires, puis je suis parti en appartement dans un an et demi. Ouais. Toutes ces tentatives de suicide-là, puis ces remarques-là, tu sais, où il y a tellement... En tout cas, on sent pas beaucoup d'amour. On avait peut-être, mais on en sent pas beaucoup. Ça te laissait quoi, toi? Comment tu te sentais, toi, avec tout ça? Puis en plus, t'as quand même, on va en parler tantôt, tu sais, t'as un don peut-être là, de médiumnité, là, mais quand tu vis ça, là, les souvenirs que t'as, là, quand t'es petit puis tu vis tout ça, tu dis quoi dans ta tête? Tu dis, je suis un bon à rien, ma mère m'aime pas, ou tu dis... Oui, ça peut arriver que j'ai pensé ça quand même régulièrement. Tu te sens tout seul, abandonné. C'est sûr que l'effet de ma grand-mère me donnait beaucoup d'amour, ça compensait énormément. Il y avait un équilibre qui se faisait quand même. Tu devais l'aimer, on t'a dit, ta grand-mère. Je l'adorais. Hein? C'est une femme extraordinaire, grand-mère. Ben ouais. Puis elle était quand même pas obligée de faire ça. Elle avait déjà quand même élevé 14. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, je pense qu'elle m'aimait beaucoup. Fait que ça a été très apprécié qu'elle le fasse. Mais je pense que tu te sens rejeté. Tu te sens... Ouais. Tu te sens comme pas à ta place, pas désiré. Ouais. À un moment donné, j'ai même pensé que ça aurait pu que ma mère se fasse agresser, peut-être. Puis que tu parce sois que je le connais fruit pas de mon ça, père, ouais. Exactement. Puis j'ai posé la question... Elle me dit non, mais tu sais, elle peut me dire qu'est-ce qu'elle veut bien. Puis, t'as déjà cherché à savoir qui était ton père? Oui, dernièrement, en écrivant le livre, j'avais le goût de finir puis de closer ça. Alors, il y avait des rumeurs que peut-être ça aurait pu être mon grand-père. Fait que j'ai fait des tests d'ADN avec une de mes tantes. Et ça n'a pas été concluant. Fait qu'il aurait fallu que je fasse des tests avec peut-être 6 autres personnes, frères et sœurs de ma tante. Mais là, à coût de 500$ chaque personne, je me suis dit... Je pense que c'est un signe qui me dit que j'ai pas besoin de le savoir présentement. Mais tes tantes, elles doivent le savoir. Qui est ton père? À un moment donné, c'est, mettons, je vais donner une anecdote. Au début, c'était Fernand Caouette. Je sais pas si les gens de la Beauce vont écouter, ça va peut-être sonner des cloches. Mais grosso modo, c'est un monsieur qui s'appelait Fernand Caouette qu'elle avait déjà rencontré. Et puis, après ça, un moment donné, j'ai arrivé pour le téléphoner cet individu-là. Puis, ça a pas répondu, fait que ma mère est partie à pleurer. Et là, elle m'a regardé, puis j'ai dit, « Ben, qu'est-ce que t'as à pleurer? Ben, c'est pas lui ton père, c'est un autre. » Ah, mon Dieu. Et là, ça serait supposé d'être peut-être un Allemand qui s'appellerait non-famille Heinz. Mais ouais. À part de ça, j'ai des tantes qui m'ont dit, « Oui, tu peux ressembler à Heinz. » Mais tu sais, si ma mère, elle faisait le party dans ce temps-là, puis qu'elle s'amusait avec plusieurs hommes, je peux être le fruit de... Ouais. Un petit mix de tout, on le sait pas. Et là, c'est sans jugement, là. Ouais. Est-ce que ça te manque, ça? Ben, je l'ai pas connu, fait que c'est pas quelque chose qui me manque. Mais c'est de savoir c'est qui mon père, à qui je ressemble, qu'est-ce que j'ai de lui. Pas vraiment, je pense. Oh. En étant très honnête avec toi, là. Ouais. C'est pas quelque chose que j'ai pensé longuement. J'avais mon beau-père, le père de ma sœur, qui était avec nous un petit peu. Oui, oui. Puis je me suis fait traiter comme du poisson pourri, fait que pour moi... T'avais pas envie de... Non. Connaître ton si père. Si un père, c'est un père comme ça, j'ai pas besoin. Mais l'effet, je pense vraiment de pas connaître. Quel modèle masculin t'avais quand t'étais jeune? Mais pas vraiment. Je pense que c'est ma mère, okay. Ma grand-mère, j'en avais pas vraiment. OK. Comment est-ce qu'on fait pour devenir un homme équilibré quand on n'a pas de modèle masculin? Je veux dire, souvent, on va se créer un héros ou on va s'identifier à une vedette ou on va prendre, je sais pas, quelqu'un qu'on admire puis on va essayer de se modéliser sur cette personne-là. Non. J'ai pas eu vraiment. J'ai eu un artiste, Michael Jackson, que j'ai vraiment trippé dans mon enfance. Mais dans ce temps-là, j'ai acheté son jacket de cuir. Je me faisais friser les cheveux. J'arrivais à l'école, je me faisais trotter de tapette. Fait que c'était pas... Seigneur. Peut-être lui un modèle un peu là dans son extravagance, parce que je suis une personne extravertie. Ouais. Arrête donc, toi. Pas du tout, pas du tout. Je suis quand même timide. Oui, c'est ça.
Un timide qui s'ignore. Mais pour avoir dansé, si, mettons, je recule à l'âge de 19 ans, ben, j'étais vraiment timide, là. Je suis prêt à qu'on, si tu veux qu'on en parle. Ouais, ben, alors, tu quittes la maison à 15 ans, tu t'en viens, tu pars-tu en appartement à Québec ou à Saint-Georges? Non, je reste à Saint-Georges en appartement. Okay. Puis là, tu te mets à jouer de la musique avec tes chums. Ouais, je joue de la musique. Je travaille dans un, distributeur de, comme Allegro. Un distributeur de fruits et légumes congelés. J'ai travaillé nu pendant 6 mois, fait de la musique et tout ça. Puis, eh bien, à un moment donné, je trouvais que je gagnais pas assez parce que dans la musique, je gagnais 200$ pour 5 soirs de musique. Okay. Et là, t'enlèves la nourriture et tout ça, fait qu'il te reste pas grand chose. Fait qu'à un moment donné, à l'âge de 19 ans, je suis rentré dans un club puis j'ai vu les Canadiens de Chip 'n Dale faire un spectacle. Ça, les Chip 'n Dale, ça, c'est les danseurs qui se déshabillent, qui font des chorégraphies, tout ça. Troupe de danseurs érotiques. C'est une des plus reconnues mondialement. Ouais. Surtout aux États-Unis. Ouais. Et là, je les vois, puis j'ai eu comme une bonne idée, une bonne idée pour moi. Et là, je me suis dit, ben Colin, je pourrais faire ça moi aussi. Il faut savoir qu'à ce moment-là, tu pèses quoi? 132 livres, tout mouillé, je pèse 6 pieds. Et je ne fais pas l'amour à la clarté. Okay. Tellement que je suis pudique, en dessous de la couverture. Okay. Fait que c'était inimaginable. Puis là, tu vas aller te montrer sur la scène. Exactement. Fait que là, je parle avec l'animateur de la troupe. Puis là, il me dirigeait, il dit, je connais un nouveau club de danseurs nus pour femmes à Québec qui vient d'ouvrir. Il dit, ils ont besoin de danseurs. Fait que je te suggère d'aller faire l'audition. Puis il dit, on verra après. Ça, c'était le Bugs? Non, c'était pas le Bugs. Je me souviens pas du nom de... Ah. Ça a été ouvert, je pense, 6 mois. Puis après ça, ça a été au Bugs. Okay. Et là, je décide d'aller passer l'audition. Mais je suis même pas rasé, là. C'est épouvantable. Je ne sais même pas danser. Je sais dans aucunement dans quoi je m'embarque. Qu'est-ce que tu fais, là? Mais je le fais. Je le fais pour essayer de m'en sortir. Et ça, c'était mon point. Pas mon point de chute, mais mon point de mire. Ben, quand tu disais essayer de m'en sortir, dans le fond, qu'est-ce que tu allais chercher? L'argent qui allait avec ça? L'argent notoriété, en priorité. L'admiration? Ben, pas l'admiration au début. C'était vraiment au début l'argent, puis moi de sortir de Saint-Georges-de-Beauce. Okay. Parce que pour moi, même si j'étais en appartement tout seul, ben, tout ce que ma mère faisait, je le ressentais pareil. T'étais trop proche. J'étais trop proche. Et même à Montréal, je le ressentais pareil. J'avais une très bonne connexion dans le temps qu'elle était vivante, là. Fait que pour moi, c'est vraiment de me libérer le plus possible que de ça. Ouais, ouais. Fait t'essayes d'y aller avec les moyens que t'as. C'est incroyable ce que la vie t'a amené sur ton chemin quand même, hein, puisque t'as choisi d'essayer. Fait que là, est-ce que tu passes l'audition? Fait que là, j'arrive le soir, tout le monde m'a fait un petit verre, mais je décide de pas en prendre parce que je vois ma mère saoule à tous les soirs. J'ai pas le goût de rentrer dans ça. Non. Et je me suis dit, si je le fais avec de la boisson, je vais le faire toute ma vie comme ça. Ouais. Et là, t'as deux parties à faire. T'as la première partie qui est un vite. Tu danses un vite. Une tune dance. Là, t'es vraiment dans le club. Il y a du monde, tout ça. Bon, là. Ouais, l'audition se fait live. Live devant tout le monde. My God. My God. J'ai prié en tabarnouche. Et là, la tune part. Je m'en vais sur la scène et je ne sais pas danser du tout. Je vois les filles se mordre de rire. Là, c'est incroyable. Et là, je finis par enlever mon chandail. Et là, on voit l'échalote. Dommage que j'avais pas d'image à vous montrer. Et là, je reviens pour le slow. Et là, faut que je me monte la branche de jade. Tu parles d'un nom. Oh mon Dieu. J'étais tellement nerveux, là. Ça rentrait par en dedans. Fait que par en dedans, j'ai fini par le faire. À ce moment-là, j'ai vu le potentiel un peu de qu'est-ce que je pourrais faire. C'était été quoi la réaction des filles? Ah, ça riait en masse. Ah oui? Vraiment, vraiment. Il n'y aurait pas plus que je me fixe à ça pour continuer de vouloir travailler. Fait que là, les patrons, eux autres, étaient en manque de danseurs parce que c'est un nouveau club. Fait qu'ils ont décidé de me garder 2 semaines à l'essai. Payé ou... Non payé. Fait que moi, je pars de Saint-Georges-de-Beauce, oh, man, Québec, 2 heures aller-retour, 5 soirs semaine. Et là, faut que je vous dise que les danses aux tables étaient à 5$, OK? J'ai pas fait un sou pendant 2 semaines. Pas vrai, pas tu loues. Il y a même pas personne qui m'a pris en pitié. Ah, c'est pas grave. Après 2 semaines, ben écoute, ils m'ont mis dehors, avec compréhension, là. Mais je pourrais dire, Diane, qu'à ce moment-là, là, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai été honnête avec moi-même, puis je me suis dit, c'est vrai, dans le fond, que j'ai pas confiance en moi, mais, hey, moi, je suis capable de réussir à faire de quoi, moi aussi. Puis là, j'ai décidé de commencer à manger des pâtes en fou. Je mangeais des pâtes, à m'entraîner. J'ai pris 12 livres en 6 semaines. Hey, mon Dieu! Je suis remonté passer l'audition, puis là, cette fois-là, j'ai été engagé. Sais-tu combien d'argent j'ai fait ce soir-là? Non. 64$ de danse au table. C'est quand même pas pire. Et le dollar qui manque, c'était? Les pourboires.
Dans le fond, j'ai eu 4$ de pourboire. OK. Effectivement. Ouais, fait que ça a commencé comme ça. J'ai fait 6 mois là-bas. Puis après ça, j'ai été 3 ans au Bugs à Québec. Ah oui, c'est vrai? Ouais. 3 ans au Bugs, OK. Ouais. Puis là, tu dansais quoi, 5 soirs semaine? Là-bas, je pense que c'était 3 soirs, 4 soirs. Je me souviens plus vraiment. Puis là, tu faisais des sous. Oui, là, je faisais des sous. Beaucoup de sous. Tu faisais, ça veut dire quoi, beaucoup de sous? Dans une semaine, pour 3 soirs, tu pouvais faire quoi? 2000, 2100. Ah! Wow! Là, tu dansais aux tables. Là, je dansais aux tables. Avec un peu plus d'expérience. Ça, c'est l'argent qui rentrait direct à toi, là. Oui, direct aux tables, à moi. Ouais. Ouais. C'est sûr qu'il y a des semaines, tu peux faire moins. Ça dépend de la clientèle que tu vas pour te faire danser. T'as des clientes qui peuvent te prendre une soirée au complet et décident de te donner 1000$. C'est ça. Tu peux danser 6 danses dans une soirée aussi. Ça dépend de chacune des personnes. Là. Mais il y a des clientes qui te réservaient pour toute la soirée. Ouais, j'ai une cliente à Québec pendant 4 mois et demi. Qu'elle, c'était juste elle tout le temps. J'ai fait beaucoup d'argent dans ce temps-là. Puis quand elle est partie, ben plus de clients, plus d'argent. Parce que tu perds toute ta clientèle. Ouais. Quand tu te concentres juste sur une personne tout le temps, tu vas pas voir d'autres clientes. Tu perds ton réseau, ouais. Fait que tu recommences à zéro ouais. par la suite. Est-ce que j'imagine que les femmes doivent vouloir avoir une relation avec toi, que ce soit une relation amoureuse ou une relation sexuelle, tu dois avoir plein de sollicitations. Il y a de toutes sortes. Ouais. Il y a de toutes sortes. Faut juste comprendre que quand tu fais ton travail, par contre, c'est ton travail. Que tu fasses ce que tu voudras par la suite, ça appartient à tout le monde, autant que la personne qui s'en va dans une discothèque qui part avec quelqu'un par la suite. Là. Mais je pense que c'est important, en tant que danseur, quand tu fais ton travail, puis ta vie privée, ça regarde pas personne. Je pense que c'est important de le dire. Pour un gars qui avait pas confiance en lui, t'as dû te reprendre un peu. Mais je pourrais te dire, en étant très honnête avec toi, que tout le temps que j'ai dansé, j'ai jamais eu confiance en moi. Pour vrai? Ouais, je suis très honnête avec toi. J'ai eu des moments de... Mais quand tu voyais les femmes qui criaient après toi puis qui trouvaient donc de leur goût puis tout ça, je veux dire, un gars se sent désiré pour un gars qui se sentait pas désiré petit, là. C'est sûr que l'ego embarque. Ouais. Tu sais, tu te sens désiré. Mais c'est-tu parce que tu te sens désiré, t'es en shape, que intérieurement, à l'intérieur de toi, tu te sens confiant? C'était pas encore assez. Mm. Aujourd'hui, je l'ai. Mais dans le temps, je l'avais pas. Mais il fallait que je passe par cette expérience-là. Mais tu sais, t'as dû vivre aussi toutes sortes de, tu sais, de rencontres puis de relations amoureuses, des courtes, des plus longues, tout ça. Est-ce que t'avais l'impression que les femmes t'aimaient? On va faire le miroir de ce qu'on entend habituellement. Les femmes t'aimaient pour ton corps, pour l'image que tu représentais. Est-ce que toi, tu te sentais, toi, Régis, te sentais-tu aimé à travers ça? Des fois oui, des fois non. Mais je pense que si je pourrais te dire, tu sais, quand t'as des problèmes intérieurs, quand que t'as vécu la détresse, le non-amour, ben même si les gens t'aiment, tu peux pas le recevoir. Il y a un trou ici. Il y a un trou, exactement. Ouais. Tu peux pas le recevoir pleinement, là. Parce que toi, t'as un vide. Ouais. Fait que même s'ils essayent de le remplir, si toi, tu t'es pas aimé toi-même, tu peux pas remplir le vide. Fait que tu peux pas apprécier puis accepter l'amour des autres, là. Avais-tu l'impression des fois d'être un objet? Non, un gars ne vit pas ça de la même manière. Pas vraiment. Non, mais c'est intéressant parce qu'habituellement, on a le point de vue de la femme qui, tu sais, qui elle se sent souvent comme un objet, mais qui le fait pour toutes sortes de considérations. Là, mais toi, dans le fond, tu as eu du plaisir à faire ça. Moi, j'ai adoré. Amusé. J'ai adoré. Ça a été un très beau métier. Vous voyez pas la face pendant qu'il me dit ça. Écoutez, il faut dire les vraies choses. Je suis pas pire, je suis pas mieux qu'une personne humaine. Puis pour moi, d'avoir dansé, surtout au 2,80, ça a été une vocation, ça a été un apprentissage. Rien que pour te dire aussi, les Chippendales que j'ai connus au début, qui m'ont fait te donner l'idée de vouloir danser, ben je suis même parti en Europe faire des tournées européennes avec eux. Là, t'as quel âge à ce moment-là quand tu fais ça? 24 ans. 24 ans, ça fait déjà 5 ans que tu danses. Ouais, 23, 24 ans. Là, t'as fait 3 ans au BOG, après ça, t'es allé au 2,81. Ouais. T'as fait combien de temps au 2,81? 11 ans. 11 ans? Ouais, 11 ans. Wow! Ouais. Ça a été une belle vocation. T'as dansé pendant 15 ans? 14 ans, ouais. Tabarouette! Ouais, j'aurais jamais pensé. Ah, fait que c'était ton seul métier. Tu faisais que ça, là, à ce moment-là. Ouais, je faisais que ça. Ouais. Okay. Ouais, je faisais que danser. Mais tu sais, de danser, c'est un métier à temps plein, hein. Quand tu t'y mets très sérieusement, de t'entraîner, de bien manger, d'être à l'écoute de ta clientèle, d'être en forme. Parce que tu peux pas rentrer pis avoir la gueule, de bœuf, là. Mm. Tu travailles au public, faut que tu sois toujours souriant, faut que tu sois toujours à l'écoute. Si tu danses 2 heures avec une cliente, faut que tu sois
très à l'écoute de qu'est-ce qu'elle dit, que tu fasses pas juste entendre. Mm. Fait que c'est quasiment autant un travail de psychologue que de danser. Fait que tu sois ton meilleur tout le temps. Puis t'avais des blondes à travers ça. Comment tes blondes vivaient ça, le fait que tu danses puis que tu sois entouré de femmes tout le temps? Moi, je pourrais dire que l'effet que je sois danseur, ben j'attirais plus des filles que soit qui dansaient ou qui étaient un peu dans le même métier que moi. OK. J'avais une blonde à l'époque, elle a dansé comme à 10. Fait qu'à un moment donné, ça me convenait plus parce que nous autres, il n'y en a pas de contact, vice-versa. Ouais. Mais c'est un choix de la personne. Là. Je la respecte quand même qu'elle l'ait fait. Mais pour moi, ça me convenait plus dans ce temps-là. Là. Mm. Puis, tu à travers tout ça, qu'est-ce que tu vis en dedans? Là? Tu sais, tu tripes, tu danses, tu as les filles que tu veux, tu fais ce que tu veux le jour, tu t'entraînes. Tu sais, c'est la belle vie, là. C'est la très belle vie. Ouais. Mais t'es pas conscient que c'est la belle vie. Parce que ça, je parle pour moi tout le temps. T'es pas conscient, tout va trop vite. Tu t'entraînes, t'es dans l'action. Une journée finit par passer, l'autre journée. Moi, j'ai pas mis de sous de côté, fait que un moment donné, dépense. Tu flambais au fur et à mesure. Oh, ouais. Mais moi, j'avais un gros problème avec l'argent, oui. Qui était relié à ma mère. Là, on s'en parlait un petit peu plus tard tantôt, mais il a fallu que je me rende loin pour le comprendre. Ok. Ouais. Puis là, à ce moment-là, est-ce que t'as commencé à boire? Tu buvais socialement ou? Ah, très rarement. Moi, là, j'ai commencé à triper fort à partir de l'âge de 25 ans. Puis ça a duré jusqu'à 31 ans. Puis c'était pas vraiment dans la boisson. C'était plus dans l'ecstasy, le GH. OK. Tout ce qu'on prend dans les raves, là. Ouais. Parce que t'as découvert les raves. À un moment donné, t'avais jamais consommé quoi que ce soit. Puis qu'un de tes amis, je pense, t'a offert, ou une blonde, je me souviens plus. Ouais, mais des amis. Des amis allaient au sauna à Montréal. Puis là, ils me disaient, Régis, viens, on va aller s'amuser toute la nuit là-bas. Ça va être super trippant. Fait que j'ai décidé d'aller voir une fois à jeun. Pour voir qu'est-ce que c'était. Et là, je voyais tout le monde se masser avec du VIX. Puis là, j'étais là, qu'est-ce que c'est, ce bordel-là? Qu'est-ce que je m'en viens faire ici? Et là, j'étais pas trop d'accord pourquoi de voir. Pourquoi avec du VIX, excuse-moi, de mon côté? C'est juste que l'effet du VIX, parce que quand t'es sur l'ecstasy, ta sensation de peau à quadruple. Oui. OK? Fait que quand tu mets du bone ou de l'ecstasy, ça fait de la chaleur, fait que ça l'active, la sensation. OK. Fait qu'il y en a beaucoup qui prenaient ça. Fait grosso modo. Ça devait sentir bon dans la salle. Ça sentait très bon, ouais, c'est ça. C'est une idée de ce qui nous attend au foyer. Avec des pop-armons en plus. C'est un joke. Mais tout ça pour te dire que oui, effectivement, quand j'ai commencé à essayer l'ecstasy, j'avais l'impression pour moi de m'amuser pour la première fois de ma vie. Ah, oh, mon Dieu Seigneur. Parce que quand j'étais petit, là, avec tout le stress que j'ai vécu, pas de fun. Il n'y avait pas de plaisir là. Mm. Fait qu'il a fallu que je devienne un homme très vite pour passer à travers tout ça. Mais tu devais vivre des angoisses, des périodes d'anxiété ou des troubles de panique. Au maximum, au maximum. Comment tu gérais ça? Tout seul. J'avais pas le choix. Je pouvais pas en parler. À l'école, je pouvais pas en parler. T'avais pas un psy à l'école, un conseiller en orientation, une infirmière, je sais pas. J'avais rencontré un psychologue pour les enfants. Et il a demandé, mon psychologue m'a dit, Régis, j'aimerais ça que tu me fasses un dessin pour exprimer tes émotions. Et je me souviens, j'avais fait une maison avec un soleil rouge, puis je me souviens plus tout en détail, puis il m'avait demandé très froidement de parler à ma mère. Et quand il a rencontré ma mère a dit, là, tu vas changer de psychologue, c'est un esti malade. Mais ma mère, là, c'est les autres qui avaient un problème, c'est ouais, pas elle. C'est ça. Tu comprends? Fait qu'il y a personne qui a été... Tu sais, c'est sûr, ma grand-mère était capable de m'aider le mieux qu'elle pouvait, mais même elle, de voir sa fille vouloir se suicider, ça devait être un choc. Ah, ça devait être dur, hein? Total. Fait que c'est sûr que j'ai pas eu d'enfance, là. J'ai devenu le grand garçon très vite. Quand tu commences à consommer de l'ecstasy, est-ce que ça t'aide à régler tes problèmes d'angoisse, d'anxiété, ou ça accentue, ou? Ben, au début, tu te sens libéré. Parce que t'as l'impression que tu t'amuses pour la première fois, les émotions se dégagent. Mais moi, j'ai toujours été un combattant depuis que je suis petit. Fait que je me suis jamais arrêté à l'émotion. Qu'est-ce que je ressentais? T'as toujours renié tes émotions? Non, pas renié. Je les ressentais, mais je prenais pas le temps d'y vivre. Je me disais, qu'est-ce j'ai pas le temps pour avec? Ça. J'ai refoulé. Ils les enfouissaient. Ils ont été enfouis, puis on va venir à ça tantôt. Ça fessait quand que c'est sorti. Vraiment. Fait qu'avec la drogue, c'est ça. C'était de s'amuser, d'avoir le lâcher-prise, d'avoir l'impression de s'amuser, de pas avoir de jugement. Tu dansais avec de l'ecstasy ou pas? Au club? Ouais. Ah non, on prend pas de drogue. Non. Ah non. J'étais straight, comme un pape. C'était que je peux te garantir que quand les journées de congé arrivaient, je me suis rattrapé. OK. Ouais. Là-bas, là, est très strict, la propriétaire, puis prends pas de drogue, puis si tu prends un verre, soit... rude à tes affaires, soit capable de faire tes spectacles, parce que ça fonctionnera pas, puis c'est correct, parce que faut que tu sois là.
faut que tu sois là à 100%. C'est pas un club de débauche là, c'est très sérieux là-bas. Puis fait qu'il fallait choisir mes affaires, mais c'est sûr que tu fais le party pendant 2 jours de temps, tu reviens t'es magané là. T'es encore un peu sous l'effet, c'est sûr, là, mais tu sais, de dire que j'en prends pendant, non. J'aimais trop mon travail. Je l'aimais, ce travail-là, pour de vrai. C'est vrai. J'adorais. De voir les filles sourire, d'être sur la scène. Moi, j'étais chorégraphe aussi. Oui. Et de voir les gens sourire, applaudir ton spectacle. Pour le gars qui savait pas danser du tout, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu deviennes chorégraphe pour les autres? Je pense que j'ai réussi à me laisser aller et j'ai rencontré un chorégraphe qui s'appelait Sylvain Gaumont, qui travaillait avec les Chippendales. Puis il dansait beaucoup comme un peu Michael Jackson. Fait, étant donné que j'aimais beaucoup Michael Jackson dans mon enfance, c'est comme si c'est devenu vite pour moi. Et j'ai compris un peu le rudiment de tout ça. Puis en étant drummer, ben, j'avais un certain beat. Ah, t'étais drummer. J'étais drummer avant. Fait qu'à ce moment-là, ben, ça a été quand même... T'as mis tout ça à profit. Exactement. Puis c'est toi qui faisais les chorégraphies parce que vous dansiez plusieurs danseurs ensemble au début de la soirée, je pense. Oui, ben dans toute la soirée, t'as des numéros individuels que faut déshabiller au complet, faut ton slow, ton vite, et là tu peux faire un numéro tout seul avec du décor ou sinon en groupe, comme ton YMCA, je sais pas si c'est quoi, c'est vieux là. Mais c'est vieux, mais c'est un classique. Exactement. T'as des numéros qu'on se déshabillait même pas non plus. C'est vraiment un spectacle. Puis j'encourage vraiment le monde à aller au moins faire un tour une fois dans leur vie, puis de dire à tous ceux-là qui n'ont jamais été, ben dites rien, faites juste aller voir, puis vous donnerez votre opinion après. T'avais-tu l'impression d'être jugé par je sais pas, mettons que tu rencontres quelqu'un, des anciens amis, des membres de ta famille, ta mère? Ma mère, quand j'ai annoncé que j'allais danser, elle tripait vraiment pas, là. C'est sûr, mais garde, je pense qu'elle avait rien à dire. Et en frais de mes amis, j'ai été bien déçu. Parce que j'avais des amis de filles dans le temps que je pesais 132 livres. C'était très, très proche. Et quand j'ai commencé à prendre la décision de danser, ils m'ont tout renié. Pour vrai? Ils me parlaient plus par prétexte que je danse, je suis rendu gay, je suis dans la tapette, n'importe quoi. Ah oui, parce que c'est ça le jugement, c'est que peut-être. Ceux qui dansent sont gays. Ben peut-être pas tous, mais il y en a. Je pense qu'il y en a certains qui ont cette opinion-là. Et quand je suis revenu avec 70 livres de plus, ben là, ils me parlaient. Qu'est-ce que ça fait au petit Régis en dedans, ça? Ben ça fait un vlot, mais j'étais pas content parce que je me suis dit... C'est quoi qu'ils aiment? Exactement. Fait que dans ce temps-là, ça fait juste me dire que tes amis-là, ben, sont pas équitables pour moi, tout simplement. Ils sont pas là pour moi. Ouais. Alors, tu danses, tu tripes, tu fais un trip qui dure quoi, 5 ans, je pense? Ouais, un bon 6 ans, jusqu'à 31 ans. OK, là, t'as une blonde, je pense, à ce moment-là. Hein? Ouais, j'ai une copine, on commence ensemble, ça fait à peu près 8 mois qu'on se fréquente. Puis à 31 ans, ben je tombe malade. Ouais, mais là, pas à peu près. Brûlures partout sur le corps. Et c'était brûlures? Drôle. Ouais, des brûlures. J'avais des brûlures avec des genres de grosses gales partout sur le corps. Tu t'es levé un matin et t'avais ça? Ouais. Puis là, tu dansais encore à ce moment-là. Ouais, là, tu peux pas encore. Aller danser de même, là. Non, ben, on commençait à pratiquer pour parce que la patronne, là-bas, Annie, elle aimait bien donner des fonds pour le cancer du sein, je crois, à ce moment-là. Faut qu'on préparait une chorégraphie pour ça. Puis j'ai été pratiqué, puis j'ai même pas été capable de faire la pratique. Je suis devenu faible, là. J'avais de la misère, j'avais des hauts de cœur, de la misère à me traîner. Là, tu sais pas ce qui t'arrive, là. Non, aucunement. Les brûlures sont de plus en plus évidentes. Juste de placer une couverture sur moi, là, c'était impossible. Et là, j'ai commencé à vomir. J'ai perdu 75 livres en claquant des doigts. 75. Hein? Ouais, j'ai chuté assez. Et là, passe des tests à l'hôpital. Mais là, ils trouvent pas la maladie que j'ai. Fait que là, j'ai passé le test du sida 4 fois. Et les même autres, si s'imaginaient que c'était ça. Ouais, puis... Ouais, les plaques sur la peau, la perte de poids. Effectivement. Et là, j'essaie de penser... Mettons que j'ai eu plusieurs... Mettons, j'ai eu plusieurs petits amis, OK? Mais dans ma connaissance à moi, je me protégeais tout le temps. Je dis pas que quand j'étais fini sur GH puis que je suis plus là... Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Mais de ma connaissance, j'arrivais pas à comprendre avec qui j'aurais pu l'avoir. Et un médecin, un jour, j'arrive dans le bureau du médecin un mois après les tests. Régis, il dit ça d'une mononucléose. Il dit une ancienne mono. Ancienne mono, ouais. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est une ancienne mono qu'il avait pas vue depuis des années. Que tu portais? Ah non, OK, d'accord. Que j'ai attrapé autres, en faisant ça. Puis il m'a dit, t'as vraiment poussé ton corps à bout, hein. Il dit, va te coucher la prochaine année. Parce que La prochaine année? Ouais, ça a duré un an et demi de temps. Fait que l'année qui a suivi, c'est ma blonde qui m'amenait à la salle de bain, qui m'essuyait. T'avais pas la force de le faire? Aucune force. T'es sérieux? Ouais, aucune force. Ça a été un an comme ça.
Mais tu fais quoi, là? Tu sais, t'es le gars en top shape, au corps d'enfer, qui pogne au bout, puis qui fait beaucoup de sous, là, tu te ramasses. Plus rien. Pas capable de subvenir à tes besoins essentiels, plus de rentrée d'argent non plus. Non, plus rien. Et là, faut dire que dans le temps que je suis malade, ben, je me désintoxe. Oh. En plus. Et là, tout ce que j'avais mis de côté de ma mère, là, est tout en montée à surface. J'ai goûté, je peux te le garantir, là. Mais ça me prenait ça pour comprendre que mon corps, ben, il vibrait. Puis qu'il me parlait depuis des années, puis tête de cochon, tu sais, j'écoutais pas, là. Mais j'ai compris conscience à ce moment-là. Fait que pour moi, ça a été une bénédiction que je tombe malade parce que, à coup de 40 pilules pendant 4 jours de temps, là, j'aurais pu être au ciel, ça fait longtemps. 40 pilules. D'ecstasy en 4 jours. 40? Ouais. Je te dis pas que c'est arrivé souvent. Tu reproduisais quasiment le pattern de ta mère, mais sous une autre forme. Ouais, effectivement. Et, il a fallu que je tombe malade pour arrêter. Mais je suis content de l'avoir été, là. As-tu l'impression d'avoir une bonne étoile, tu sais, qui te protège? Je pense que oui. Ouais. Oh oui. Oh oui. Quand ces émotions-là se mettent à remonter, là, bon, là, tu tombes malade, tu perds du poids, avant qu'on trouve ce qui t'arrive, là, tu sais, t'es pas bien, tu dois capoter, évidemment, parce que tu dis, qu'est-ce que j'ai? Je pense que c'est fini. Ouais. Ouais. Et moi, j'étais sûr que j'étais pour mourir, là, dans cette année-là. L'effet de vomir tout le temps, sans cesse, de mettre la couverture, d'avoir des brûlures, que ça fasse mal, terrible, de ressentir toute la douleur à l'intérieur. Parce que t'avais mal en dedans aussi. Ça, c'était le pire, là. La colère de ma mère, la frustration, toutes les images me revenaient une après une. J'étais capable de focaliser au niveau physique où que la douleur était incorporée par rapport à cette émotion-là. Fait que ça a été un beau cadeau. Ça a duré combien de temps, cette remontée d'émotions-là? Là, j'avais 31 jusqu'à 40. Oh, ça! Le temps pour dire que j'ai tout réglé, que j'ai mis en application mes enseignements que j'ai compris, que j'ai reçus. Ça a été long. C'est un long parcours, hein, une vie. Des fois, une vie, je pense qu'on aurait passé. On n'a pas assez de non plus. Puis, tu vis ça, là, évidemment, quand tes émotions remontent, ta blonde est là, puis elle doit se dire... Il y a envers une Moses, là. Ah oui, c'était une femme extraordinaire. Écoute, ça faisait 8 mois qu'on se fréquentait. Elle aurait bien pu dire, écoute, fallait qu'elle était coiffeuse, comme sur la rive sud. Fait que c'est une demi-heure de Montréal. Fait qu'elle partait du salon de coiffure en métro. Elle venait s'occuper de moi. Elle faisait à manger, à m'essuyer, à m'amener à la salle de bain, à faire couler mon bain. C'est une femme extraordinaire. Regarde, oublie ça. Elle avait fait ça pendant combien de temps? Ben, toute l'année que ça a pris. Ouais. Parce qu'en réalité, ça m'a pris environ un an pour être capable de dire, je peux sortir un petit 5 minutes dehors, prendre une marche. Là, je suis épuisé, je rentre. Après ça, il y a eu à peu près un 5-6 mois d'adaptation avant que je retourne au 281 une journée à la fois tranquillement. Là. Tu recommençais à danser après? Oui, ben tu vois, si je recule, mettons 5 mois avant de recommencer, je commençais à aller mieux comme je te disais. Fait que là, j'ai décidé de faire des recherches sur Internet parce que c'est sûr que j'ai pas de scolarité comme je disais. Fait que pour moi, je retournerai au 281. Là. Fait que là, je faisais des recherches sur Internet. Tu cherchais quoi? Du travail. Voir dans les sites de travail, qu'est-ce que je pourrais faire éventuellement. En n'ayant pas de scolarité, mais il n'y avait pas grand choix qui s'ouvrait à moi. Non. Là. Et ce qui était spécial dans ce temps-là, c'est que quand je tapais sur l'ordinateur, sans que je touche à rien, il y a des fenêtres qui s'ouvraient tout seul. Mais sur la guérison. Ben voyons donc. La spiritualité et sur l'énergie. Et là, faut que tu me comprennes. Dans le temps que j'étais malade, ben j'ai compris mon corps vibrait. En même temps, j'étais en connexion avec mes émotions. Et j'ai repris contact avec tout ce que je ressentais au niveau de ma... médiumnité, que je pourrais dire plus ma grande sensibilité à ce moment-là. Est-ce que tu avais essayé de refouler ça, cette médiumnité-là, cette capacité-là à ressentir? Non, je l'ai jamais refoulé, je l'ai tout le temps laissé aller. Par contre, quand tu es gelé à un moment donné, là, c'est que tu rouvres des portes où qui sont pas très, très agréables à voir. Okay. Fait que là, tu dis, bon, mais c'est-tu parce que je suis gelé ou c'est ça? Fait qu'à un moment donné, ça peut porter à confusion, fait que je laissais les choses aller. Mais à ce moment-là, j'ai comme pris plus conscience de tout ce que je ressentais. Dans mes rêves prémonitoires, dans mes j'ai déjà vécu, je pense, des anciennes vies en faisant des rêves. Mais pour moi, c'est plus qu'un rêve parce que c'est clair. Là, je ressentais la sensation comme si je le vivais réellement. Là. C'était assez capoté. Incroyable quand même. Ouais. Hein? Quand tu vis tout ça, es-tu en train de te demander « Je suis en train de virer fou? » Non, j'étais quand même assez lucide là-dessus. Mm-hmm. L'effet que je vois beaucoup de choses quand j'étais petit...
puis pour moi, c'était clair. Je vais donner un exemple concret. À peu près, ma sœur, elle avait peut-être 5-6 ans, elle jouait dans le salon, et moi, dans la cuisine, excuse-moi. Puis moi, j'étais dans le salon en train de regarder la télévision. Et là, je me suis mis à entendre 3-4 petites filles rire fort. Fait que là, je me suis levé, j'étais voir ma sœur, j'ai dit, t'as-tu entendu? Fait que là, ma petite sœur, elle me dit non. Fait que là, je viens me rasser sur le divan, j'écoute la télé, puis là, ça revient encore plus fort. Et là, j'en ai la chair de poule. Fait que je me lève, et là, j'entends des petits pas courir. Fait que je cours comme eux autres, après eux autres. Et là, la porte de la cuisine s'est ouverte tout seul. Comme s'ils sortaient dehors. Wow. Fait que pour moi, tout ça, c'est clair. Ça te fait pas peur à ce moment-là? Non. OK. Non. Fait qu'il y a plein d'anecdotes comme ça qui s'est arrivé dans mon parcours de vie. Fait que pour moi, c'était clair qu'il y avait quelque chose qui était spécial. Est-ce que t'en parlais à quelqu'un à ce moment-là? J'en parlais pas beaucoup. Est-ce que tu devais pas être cru non plus quand t'en parlais? Ben, tu sais, à cette époque-là, est-ce que... Ben, c'était fermé. Il y a ma grand-mère a demandé, si je peux te raconter, moi, je m'emmenais à me faire garder chez ma grand-mère, était comme 9 heures le soir. Fait que je passais à côté d'une maison. Et là, au deuxième étage, sur le balcon, il y avait une faucheuse. Tu sais quoi? Oui, la mort, là. Oui, la mort avec la grand cape et le fouet. Mm. Et là, je regarde ça, puis je me dis, Colin, on n'est pas l'Halloween, c'est peut-être quelqu'un qui va faire un coup à quelqu'un. Puis là, je regarde les pieds, mais il n'y a pas de pied, ça flotte. Et à la fraction de seconde que j'ai eu le temps de me baisser les yeux, il a traversé la porte sans jamais l'ouvrir. Et là, je peux te garantir que j'ai pédalé chez grand-maman en tabarnouche. Je suis arrivé chez ma grand-mère, tout essoufflé. J'ai pas voulu y compter. Elle m'a dit, ça a l'air stressé, j'ai dit, ah, c'est correct. Fait qu'on s'est couché, le lendemain, on est sorti à 8 heures du matin pour faire des commissions. Et on a vu une ambulance sortir un corps du deuxième étage de la maison. Fait que pour moi, ça me confirmait ce que j'avais vu. Et là, j'en ai parlé à ma grand-mère, elle m'a cru tout de suite à ce moment-là. Est-ce qu'elle voyait ça aussi? Dans la famille, il y en a beaucoup qui ont des dons. J'ai une maison qui est très, très, très clairvoyante aussi, une de mes tantes. C'est vrai? Oui, fait que dans la famille, on est des personnes très sensibles. Fait que je pense qu'il y en a qui ont voulu s'ouvrir, puis d'autres peut-être se fermer plus. Oui, effectivement, c'est un beau don qu'on a tout le monde. Est-ce que tu te poses des fois la question pourquoi j'ai ce don-là? Ben moi, je pense pas parce que c'est utile dans qu'est-ce que je fais présentement. OK. Parce que je suis massothérapeute aussi. Je fais des traitements énergétiques, des formations. Et souvent, quand je vais traiter la personne, il va arriver des images ou sinon, je vais voir peut-être une personne décédée qui va rentrer dans la pièce. Fait que pour moi, c'est une belle indication. Et pour moi, je l'ai accepté. Est-ce que t'en fais part aux gens? Des fois oui, des fois non. Ah oui? Ouais, des fois oui, des fois non. Pourquoi? Qu'est-ce qui détermine oui, qu'est-ce qui détermine non? Je pense que quand je rentre en contact avec, quand je donne la main à la personne, je suis capable de la saisir. Et si des fois elle est en souffrance, je pense que c'est pas le bon moment. Et dans l'interprétation que je l'ai des fois, c'est comme c'est pas assez clair pour que je puisse lui dire. Ou sinon, je vais recevoir des messages que pour moi, ils ont de l'air complètement anodins, mais pour la personne, en lui disant, ben, ça devient clair comme de l'eau de roche. Là. Mais c'est pas tout le temps. Il y a des gens, des fois, qui m'appellent, qui me disent, ah, Régis, je vais aller voir pour une consultation, mais je veux pas faire de consultation en personne. J'ai tellement été voir plein de médiums qui m'ont dit du n'importe quoi, puis de la foutaise. Je veux pas être ce genre de personne-là. Mais je peut-être que t'es pas ce genre de personne-là, justement. Non, mais dans le sens que je pourrais te dire peut-être que je me sens peut-être pas prêt. Ouais, c'est plus ça. Peut-être plus ça. Je veux juste revenir avec le fil des événements. Moi, je suis pas vrai. Non, mais c'est correct parce que ça m'amène aux choses dont on va discuter là par la suite. Tu commences à guérir, tu vas sur internet, tu vois des pages qui s'ouvrent, sa guérison, sa spiritualité. Tu as de l'ouverture à ce moment-là là-dessus. Ouais, j'ai de l'ouverture là-dessus et là c'est comme si ça m'indiquerait l'effet de m'en aller dans cette direction-là. Tu prends ça comme un signe. Comme un signe, exactement. Fait que là je fais des recherches sur l'énergie, je tombe sur des sites de Reiki. J'ai décidé d'entreprendre une formation en maîtrise sur la Reiki que j'ai faite au complet, 4 niveaux. Un petit peu plus tard, j'ai fait 3 niveaux en reconnexion, qui est un autre méthode au niveau de la guérison. Qu'est-ce que c'est la reconnexion? La reconnexion, c'est que eux autres ils vont dire tu touches à des fréquences et que tu transfères l'énergie à la personne. Fait que au lieu de comme en Reiki, tu vas garder les mains en imposition fermée, sans bouger, c'est comme si tu pognerais une fréquence. Okay. En Reiki, c'est vraiment comme ça. Oui. Tandis qu'avec la reconnexion, c'est qu'aussitôt tu es en contact avec elle, tu vas prendre l'énergie, tu vas l'amasser et tu vas y faire prendre de l'expansion pour faire étirer l'énergie pour entrer plus de lumière au niveau du corps physique. Okay. C'est des manières de penser différentes, tout simplement. Tu suis ces formations-là, tu danses encore à ce moment-là? Oui, ben j'étais vers la fin. Tu vois, moi, à 34 ans, j'ai retourné au club. Je l'ai fait une couple de mois, puis à un moment donné, j'ai eu ma grande révélation en dansant pour une cliente que c'était terminé, fallait que je raccroche mes bobettes. Il n'y avait plus rien, là.
je pourrais dire, Diane, quand je rentrais sur la scène, là, j'arrivais pas à entendre les abeilles voler, les mouches voler. Tu tripais plus, là. Non, c'était fini. Ça paraissait dans mon visage. Écoute, j'avais plus la même shape qu'avant. J'avais plus le même regard. Fait qu'à un moment donné, il a fallu que je prenne la décision d'arrêter parce que je suis en train de me détruire. Et pourquoi c'était une cliente en particulier qui t'a amené ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça te réveille à ça? Ben, je vais te conter ça avec plaisir. Fait que ce soir-là, faut dire que je suis content, puis je suis pas content d'avoir des clients. Je suis content d'avoir des clients pour avoir les sous, mais je suis vraiment attanné intérieurement. Il y a un danseur qui est pas là ce soir-là. Fait qu'il y a une de ses clientes qui vient me voir, puis elle me dit, écoute, Steven, c'était mon nom de scène. Pourrais-tu venir danser une demi-heure pour moi? Avec grand plaisir. Et là, j'arrive pour danser. Je fais semblant de l'embrasser, de la séduire. Et là, elle sort la langue, puis elle fait semblant de m'embrasser. Ça a été un off total. Ça m'a dégoûté au plus haut point. Et très gentiment, ça m'a jamais dégoûté, jamais rien. Mais là, pour moi, c'était terminé. Fait que je finis par faire la demi-heure. T'as dû la trouver longue? C'était la plus longue demi-heure de ma vie, je peux te garantir. La dame très gentille me donne le 60$ dans la main, puis elle me dit à l'oreille, elle dit, Steven, elle dit, reviens à la dernière demi-heure. Et là, je suis parti dans la loge et je me suis mis à pleurer comme un petit enfant. Pleurer comme un bébé, c'était fini, puis kabam. J'y repense, puis j'ai encore l'émotion. Ah oui, c'est vrai? Ouais, c'était terminé. Qu'est-ce qu'il faisait? Le dégoût d'être obligé de j'avais l'impression de me forcer à être obligé de plaire, à déplaire. Mais là, faut que tu comprennes, ça fait un an que je dors 24 heures sur 24 quasiment. Là, j'ai plus l'horaire de nuit du tout, là. Puis dans ce temps-là, je faisais pas mes soirées complètes. Là, je rentrais à 10 heures à minuit et demi, c'était fini. As-tu l'impression que ce qui avait provoqué ce dégoût-là, c'était que t'étais passé à un autre niveau énergétique? Je pense que oui. Oh, ouais. Oui. Oh, oui, effectivement. Effectivement, le tout de la prise de conscience. Tu vois, en tant que danseur, je partageais avec un spectacle. Et là, en étant conférencier aujourd'hui, ben, je partage avec le dialogue. Et je retrouve un peu, parce que de danser en étant chorégraphe, c'était vraiment ça qui me stimulait. Comme je te disais tout à l'heure, de voir les sourires, de voir les gens triper sur qu'est-ce que tu fais, d'admirer tes chorégraphies. Fait, moi, je le retrouve avec le nouveau métier que je fais présentement. Mais j'ai essayé de retourner faire la demi-heure avec elle. C'est vrai? Puis après une chanson, là, j'ai dit que c'était terminé. J'ai pas dit la raison. J'ai dit, gars, je file pas bien ce soir, on va arrêter ça. Fait qu'elle m'a payé ma danse, puis le lendemain, j'ai donné ma démission. Puis j'ai terminé le 23 décembre 2007, je pense, en fiançant ma conjointe sur la scène. C'est vrai? Non, oui, c'est vrai, tu racontes ça dans ton livre. C'est beau, ça. Ouais, ça a été un beau départ. Fait décider que tu demandais à ta blonde en mariage sur la scène, tu l'as fait monter sur la scène. Raconte, c'est trop cute. Bon, ben moi, je faisais un spectacle de mariage où que je donnais des roses à des gens et tout ça. Fait que un moment donné, dans le numéro, il y a comme des filets en arrière, des draps, et il y a des roses. Dans les filets. Sont cachés dans les filets. Fait moi, pendant la chanson, t'arrives à un punch, tire les rideaux, et là, je donnais les roses aux gens. Pour le numéro, on a changé ça. J'ai donné des fleurs, des véritables à un de mes amis, et l'autre de mon chum, un autre de mon chum de gars, lui, avait la bague. Fait là, j'ai été voir son père, à elle, qu'il savait pas. Non, lui, il était pas là. OK. Fait que je coupe un peu les affaires avant de faire le numéro. Je décide d'aller voir son père et là je demande sa fille en fiançailles en lui disant que je suis un danseur érotique puis que je vais terminer parce qu'il savait pas là. Fait que parle 2-3 heures avec puis dans ce temps-là je donnais des cours d'aérobie un petit peu à travers ça puis il me disait il me semblait que t'étais pas juste un professeur d'aérobie. Fait qu'en tout cas on a parlé ensemble, il m'a donné sa bénédiction, il est pas venu à la soirée parce qu'il travaillait trop tôt le matin, mais il lui a écrit une lettre d'approbation. Fait que le spectacle arrive à minuit. L'animateur va la chercher et là, il va lui dire, écoute Hélène, elle s'appelle Hélène, il dit, écoute Hélène, la fille qui a payé pour faire le numéro à Steven, elle veut plus monter, puis là, il est vraiment dans la merde. Est-ce que tu peux monter sur la scène, remplacer la fille? Elle dit, oh, oui, il n'y a pas de problème. Et là, je commence le numéro à l'habituel, tire sur les rideaux et là, elle se demande ce qui se passe parce que l'animateur est monté sur la scène. Passe le micro et là, j'ai fait ma grande demande devant tout le monde pour finir mon dernier spectacle au 281. Est-ce qu'elle a dit oui? Elle a dit oui. Est-ce que vous vous êtes mariés, finalement? Non, on n'est pas encore mariés. On est toujours fiancés, là, mais on n'est pas encore mariés pour l'instant. Okay. Ouais. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble. C'est vrai? Wow! Ouais. Wow. C'est beau, bravo. Merci. Tu finis ça, t'as suivi ou t'es en train de suivre tes cours de Reiki et de reconnexion, puis là, t'arrêtes de danser, tu fais quoi? Ouais, j'arrête de danser. À travers ça, j'ai réussi à passer au chasseur d'emploi, à Claire-Lamarche, comme enseignant en arts martiaux.
parce que moi, je voulais me partir une école d'arts martiaux. Et entre-temps, j'ai réussi à avoir un travail chez Aerobie Plus, qui est un gym pour femmes, comme entraîneur privé puis entraîneur de cours de bras. Le problème, c'est que j'étais encore malade de ma mono dans ce temps-là un petit peu. Fait que quand je donnais les cours de groupe, j'avais des hauts de cœur tout le temps. Hey boy. Fait que c'était pas très chic, là. Fait que là, demande une subvention aux petites entreprises. 3 demandes que j'ai faites, puis ils m'ont toutes refusées. Pourquoi? Parce que j'étais pas sur l'aide sociale ni sur le chômage. Ah. Et là, j'étais vraiment découragé. J'ai essayé de m'en sortir du mieux que j'ai pu avec les moyens que j'avais. Dans ce temps-là, je me suis fait offrir de faire pousser du cannabis. Prends un mois pour y penser. Là, tu fais dire de belles choses. Là, tu vois une maison, tu vois beaucoup de sous. Là, tu sais que tu vas te sortir de la chenouk, si on peut dire ainsi. Fait que tu finis par dire oui. T'étais juste trop en avant de ton temps. Trop en avant, non. Effectivement. Mais qu'est-ce qui est drôle dans ça, c'est que j'en fume même pas. Même dans ce temps-là, j'en prenais pas. Là. Les seuls temps que je tripais, dans le temps que je le faisais, c'était vraiment l'ecstasy, le GH. J'ai essayé le pot, puis j'ai vraiment pas aimé. Fait que pour moi, j'en prenais pas. Et j'ai accepté. Fait que là, on a la maison. Tout se déroule bien. T'as fait ça pendant combien de temps, cultiver du pot? 2 ans et demi. Ah, oh, quand même. Ouais, 2 ans et demi, puis je pourrais dire que ça a été la pire expérience financière de ma vie. La première récolte, faut que tu payes toutes les devances et tout ce que ça a coûté. Fait que là, il te reste rien. Après ça, là, t'as une autre récolte. Là, t'as une petite partie parce que t'en dois encore. Et après ça, ça commence à aller mal. Il n'y a rien qui fonctionne correctement. Moi, j'étais pas un expert là-dedans. Je faisais ce que j'avais à faire. Fait que des fois, ça fonctionnait mal. Au lieu d'avoir des 25, 30, 40, 50 livres, t'avais 5-6 livres. Fait que 5-6 livres, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça paye les dépenses pour la prochaine récolte. Fait qu'il n'y a pas d'argent qui rentre, là. Et là, c'est le calvaire qui commence. Là, tu travailles pendant un an et demi, il n'y a aucun sou qui rentre. Et là, tu as toujours espoir que tu vas réussir. Et à un moment donné, tu prends la décision de tout arrêter. Puis cette semaine-là, toc, 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 c'est la police. Mandat de perquisition. Ouais, je me rappelle pas pourquoi, non. Il y avait quelqu'un qui t'avait dénoncé, je pense. Ah, écoute, c'est même pas ça. Je le compterai pas parce que c'est judiciarisé, puis okay. Je veux protéger les autres personnes concernées. Mais ça n'a aucun rapport. Je pourrais dire que c'est une personne. La seule chose que je pourrais dire, c'est une personne qui a mangé une volée, qui s'est fait mettre sur écoute. Et là, ça fait boule de neige, puis cette personne-là, je la connais pas aucunement. Ça a remonté jusqu'à toi, c'est ça? Ça a remonté jusqu'à moi, parce que le problème, c'est qu'on faisait tellement pas d'argent. Moi, j'avais un téléphone, il fallait que je mette des cartes dedans pour appeler la personne X. Mais on faisait tellement pas d'argent pour manger, je me suis dit, tu penses-tu m'en mettre de l'argent dans une carte quand j'en ai même pas pour manger? Fait que je prenais mon téléphone, je parlais en parabole, mais telle personne a été mise sur écoute, telle, puis à un moment donné, ils se sont rendus à moi. J'étais le seul dans tous ceux-là qui ont attrapé à pas être sur écoute. Par contre, il y avait mon adresse, il y avait toutes mes affaires parce que je téléphonais directement à la personne que je faisais affaire. OK. Là, tu étais arrêté, tu as fait de la prison? Non, j'étais chanceux, j'étais béni des cieux. J'ai eu 2 ans moins un jour en collectivité. Ça veut dire que fallait que je sois chez moi de 11h le soir à 6h du matin. Au début, tu dis, il n'y a rien là. Matin un peu, tu te fais réveiller. À longueur de nuit, 2-3 fois dans la nuit. Par les agents qui téléphonent. Là, tu as un téléphone de maison. Tu peux pas prendre ton cellulaire. Fait qu'ils téléphonent. Pour voir si t'es là. Pour voir si t'es là. Fait que là, tu dors pas pendant 2 heures. Pendant 2 ans, excuse-moi. Seigneur. Ouais. Mais garde, j'ai pas été en prison. Fait que j'ai été béni. Tantôt, tu me parlais. Il y avait une étoile. Ouais. C'est sûr que je suis protégé. Parce que t'avais pas de dossier. J'avais pas de dossier criminel. Moi, j'ai été coopératif, là. Quand ils ont cogné à la porte, là, je leur ai dit, oui, messieurs, rentrez, c'est en bas. Ouais. Tu voulais que je dise quoi? Ouais. Fait qu'ils m'ont pas mis les menottes, rien. Ça, c'était la journée que t'avais décidé, j'arrête tout, là. C'est la semaine. On coupait, moi, ça, c'est arrivé le mercredi, et on coupait la dernière récolte la fin de semaine, le samedi. Puis après ça, c'était terminé, là. Puis là, tu t'es endetté pendant ce temps-là. Ben, on s'est endetté, je me suis endetté pendant ce temps-là, pendant avant, t'es obligé de faire faillite et tout ça. Ah oui, c'est vrai, t'as fait faillite après ça. Oui. On n'a pas eu le choix parce que la maison, il y a eu une perte. Parce que là, il y avait ça en bas, fait qu'il a fallu tout faire déconstruire. Il y a quelqu'un qui était pour acheter la maison, puis la nettoyer, pour la revendre. Il y a eu beaucoup de pépins, ça a été... Pourquoi faut faire... Mais c'est à cause qu'il y a de la moisissure qui rentre en bas, vu que ça a été quand même une bonne période. Puis à ce moment-là, ben, veut pas, faut faire décontaminer. OK. Faut que ça soit juste un point pour être sûr qu'il n'y a pas de contamination. Faut que tu dises que la maison, il y a eu ça dedans. Fait que ça a été un... oui, effectivement. Ah, ben ouais, t'en avais pas eu assez, fallait mais tuer quoi? Ça. Si je pourrais me permettre, Diane, là, quand je me suis fait attraper par la police, là, j'ai eu ma révélation. Tantôt, je te disais que j'avais un problème avec l'argent, là, mais j'ai tout compris à ce moment-là. T'as compris quoi? Quand ils sont en train de tout vider, moi, j'étais en train de...
de regarder faire. Puis là, je me suis posé la question de pourquoi je m'étais rendu là. Puis je te le dis, je me suis répondu moi-même. Parce qu'à la fraction de seconde, je me suis posé la question, tout est devenu clair. Ouais, ça me touche à toutes les fois. Quand toute ma vie, j'ai été en colère, en réalité, après l'abondance puis l'argent qui a remplacé l'amour de ma mère. Parce que ta mère, elle te gâtait de toutes sortes d'affaires. Elle me gâtait des bébelles, ouais. Toutes les bébelles, l'argent que je voulais, tout. Prends ça. Puis j'avais vraiment l'impression, elle me disait, prends ça, ferme ta gueule, t'es pas content. Va-t'en, fous ton camp. Fait que pour moi, ça a été une révélation, parce que quand je prends du recul, puis je regarde tous les sous que j'ai faits, hey, j'aurais pu être riche 3 fois, là. Et c'est pas des menteries, là. Fait que j'ai toujours, inconsciemment, jamais voulu être capable de la garder. Parce que c'était comme une preuve de non-amour, finalement. Effectivement. Ça me reliait toujours à ma mère, puis tout est devenu clair, là. Mais après ça, il faut que je travaille sur moi, parce que là, faut que tu te dises, OK, faut que je fasse un métier que je vais vraiment aimer, puis que je regarde pas l'argent. Fait que pour moi, c'était vraiment de travailler en énergie à ce moment-là, finir par devenir massothérapeute, puis aujourd'hui conférencier, mais j'ai vraiment vu le déclic d'arrêter de travailler pour l'argent. Mmh. Puis même si t'as plus d'argent, tu dépenses plus, puis de regarder qu'est-ce qui te fait vibrer à l'intérieur. Fait que ça m'a coûté cher. Ça t'a pris combien de temps avant d'avoir ta sentence, entre le moment où tu te fais arrêter, puis au moment 3 ans. 3 ans. Fait que pendant 3 ans, tu vis quand même avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ouais, parce que là, tu te fais dire que tu vas peut-être aller en prison. Ouais. Et là, il y a plein de menteries qui se rajoutent dans le dossier, comme de quoi que nous, on faisait juste la plantation. On n'avait pas de nous, c'est ta blonde et toi, ça. Ma blonde et moi, exactement. Fait qu'on recevait les bébés, on les plantait, on faisait ce qu'il y avait à faire 2-3 mois, on coupait, puis ça finissait là. Fait qu'eux, ils avaient marqué que nous, on faisait pousser des bébés. Oh. Puis ça leur demande à la sentence, parce que si t'as 800 bébés, ça veut dire que t'es pris pour 800 plus 300. Nous, on avait 350 plans quand on s'est fait arrêter. Fait que là, la sentence, c'est pas la même, là. Fait que là, tu gosses avec l'avocat, fait que là, faut que tu payes pour te faire défendre sur des choses qui ont aucun rapport, là. Parce qu'eux autres essaient de monter des preuves alors qu'ils en ont pas. Il n'y en avait pas. Ils disaient qu'il y avait des photos. Puis on le disait, ben qui monte les photos, on va arrêter de se stresser avec ça. Fait que là, t'es continuellement sur un stress pendant 3 ans. Et là, un moment donné, t'arrives à la sentence. Puis je me suis dit, Adrienne Capoura. Le pire qui peut arriver, c'est la prison. Mais les policiers ont été quand même gentils parce qu'on s'est fait arrêter ce jour-là. Moi, j'ai été relâché, ma conjointe n'était pas là. Puis comme 8-9 mois plus tard, ils nous ont téléphoné pour repasser. Pas en entrevue, mais en interrogation et tout ça, là. Fait que c'est comme les preuves incriminantes pour nous expliquer le procédé, puis après ça, d'attendre que les juges arriveraient. Mais les policiers m'avaient dit que ce serait pour moi, mais tu sais, ils pouvaient bien dire qu'est-ce qu'ils voulaient, là, en réalité, là. Mm. Mais je pense qu'ils ont fait un bon travail pareil, parce que je suis en erreur d'avoir fait pousser du cannabis, c'est vrai. Mais à part ça, j'ai rien à me reprocher. Mm. Puis pour moi, la vraie raison, peu importe ce que les gens peuvent penser, je l'ai fait pour essayer de m'en sortir. Mm. Et j'ai été au maximum de qu'est-ce que j'étais capable dans le temps. Puis regarde la belle vérité qui en est sortie de ça. Mm. J'ai compris qu'est-ce qui était collé à moi depuis des années, là. Mm. Est-ce que ton rapport à l'argent s'est modifié depuis? Beaucoup. Ouais. Beaucoup. C'est sûr qu'on en veut inconsciemment tout le temps plus. Ouais. Mais pour moi, je veux faire qu'est-ce que j'aime. Je veux plus me concentrer sur, il faut que je fasse 600-700 dans ma semaine. Tant qu'on peut payer les comptes, on peut se gâter, moi et ma conjointe, ben, à partir de là, le reste, c'est correct, là. Tu fais quoi à partir de ce moment-là? Quand est-ce que tu décides de te mettre, de t'annoncer comme massothérapeute ou, Okay. Moi, je pourrais dire qu'on a vraiment pas fait beaucoup d'argent. La seule affaire, c'est que moi, ça m'a permis quand même de payer mon cours de massothérapie pendant qu'on faisait ça. Fait que pendant ça, je prenais le cours de masso. Fait que vers la fin, j'étais sur le bord de finir, là, quand on s'est fait attraper. Fait que j'ai réussi à finir mon cours de masso pour être massothérapeute par la suite. Et vu mon dossier criminel n'était pas établi, j'étais capable de me trouver un travail. Okay. C'est pas mon Saint-Hilaire dans ce temps-là. OK. Effectivement. Puis tu utilisais la technique de Reiki à ce moment-là ou tu as d'autres techniques de massage? C'est quoi tu utilisais? Ben moi, j'ai étudié en suédois pour commencer. Fait que c'est sûr, j'intégrais le Reiki à travers. Parce que dans le Reiki, même si tu masses, t'es connecté pareil. Fait que aussitôt que tu ralentis le pas, là, l'énergie se met à couler parce que ton corps, il est déjà fait d'énergie. Mm. Fait que tout se fait en mesure. C'est comme un petit 2 pour 1 qu'ils peuvent avoir. Fait que là, tu fais ça depuis 5 ans. Ouais. C'est pas là que t'es plus au Mont-Saint-Hilaire. Non, parce que malheureusement, il a brûlé le, ça a été racheté par le Strom Saint-Hilaire, il faut dire.
Et le 26 décembre cette année, ça l'a passé au feu. Oui, on a vu ça aux nouvelles. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu es où? Ben là, je fais des massages à la maison. C'est je toi? Travaille au Sky Spa aussi de fin de semaine. Celui de Brossard. De Brossard, hein? Au 10-30. Et toi, tu restes dans ce coin-là aussi. Effectivement. OK. Effectivement. Puis, tu as eu l'idée folle à un moment donné de donner des conférences. Le livre est venu avant? Qu'est-ce qui est venu avant? OK. Dans le temps qu'on faisait pousser, j'avais le grand besoin de vouloir partager mon vécu parce que j'étais déjà dans la prise de conscience de vouloir aider les gens parce que j'étais en train de m'aider moi-même en premier. Tu consultais-tu quelqu'un à ce moment-là ou tu faisais tout ça tout seul? Je le faisais tout seul. J'ai consulté quelqu'un dans le temps que j'étais au club, une coach de vie qui était médium, la dame qui m'a parlé de mon agression quand j'étais petit. Elle, c'est une femme extraordinaire. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fort que ça, là. Est-ce que tu la revois des non, fois? Non, elle est décédée. Ah. Elle est décédée, puis quand j'étais malade, j'avais été la voir au début de ma maladie, là, puis elle m'avait brassé pas mal. Qu'est-ce que t'avais dit? Elle m'avait dit, là, le club, elle dit, là, c'est fini pour toi. Puis elle dit, t'es capable de faire ce que je fais. Puis elle dit, t'es vraiment pas dans bonne lignée. Puis elle dit, là, tu vas te guérir, tu vas faire tes affaires. Puis elle dit, va-t'en dans cette direction-là. Non, non. Puis avec des mots pas très gentils, je pourrais dire. Mais je l'aimais beaucoup parce qu'elle était bail de bouc. Et dans ce temps-là, j'essaie d'expliquer que je travaillais trop, puis là, elle me revenait. Elle dit, non, Régis, elle dit, arrête de me mentir, c'est à cause de ta colline de drogue que tu t'es rendu là. Puis elle avait raison, là. Fait qu'elle était vraiment by the book. Elle m'a vraiment beaucoup aidé parce qu'elle me disait les vraies choses. Puis dans la vie, il faut savoir recevoir les vraies choses pour être capable d'avancer. C'est ce qu'on appelle tough love. Exactement. Ouais. Puis ça, t'en avais manqué. T'avais juste le tough, toi. J'avais juste le tough. T'avais pas le love qui va avec. Alors, pendant que tu cultivais, je me souviens pas l'expression que tu viens d'utiliser. Dans le temps qu'on faisait pousser. Ouais, vous faisiez pousser, d'accord. Alors, tu t'aimais à écrire. T'as écrire ta vie, finalement. Ouais, j'ai commencé à écrire ma vie. T'avais un talent d'écriture, déjà? Aucunement. Moi, j'ai même pas mon secondaire. Oublie ça, là. C'était pêle-mêle. Fait que moi, j'écrivais tout séparé. Fait que là, je me suis mis à écrire. Bon, mais j'ai commencé avec ça. Je suis dans mon bureau en train d'écrire. Et là, je pars là-dessus. Là, je me mets à tout séparer. Tout ce que j'ai vécu par rapport à mon ressenti par l'agression sexuelle. Mettons tout ce que j'ai vécu avec ma mère. Ça va par thème, par finalement. Thème. Mais là, il n'y a rien qui se tient. Et là, je rencontre une dame qui est extraordinaire, que Véronique Clément, je pense, la connaît. Elle faisait bonjour en même temps. On la salue, Véronique. Exactement. Fait qu'on, elle, je l'ai traitée en traitement énergétique. Elle avait des douleurs de dos. Puis avec les traitements énergétiques, ça l'a beaucoup amélioré. Fait que là, moi, dirigiste, elle dit, ben, je suis capable de rédacter. Fait qu'elle dit, si tu veux, je regarde. Fait que moi, j'ai envoyé comme ça. Alléluia. Elle dit, il n'y a rien qui est lisible dans qu'est-ce que tu fais. Elle dit, là, tu vas prendre des post-it. Tu vas marquer des paragraphes. Tu vas tout tracer ça pour que ça soit en ordre chronologique. Mettons, de 0 à 4 ans, qu'est-ce qui est arrivé en ordre? De 4 à 8, et ainsi de suite. Fait que je l'ai fait. Fait qu'elle a fait un premier jet. Une couple de semaines après, je l'envoie des maisons à la maison d'édition Béliveau à Montréal. Et là, je rencontre Marthe Saint-Laurent. Je vais y porter en personne. Et là, j'attends. Je la rappelle trois fois pendant une année. Puis elle me dirigeait, j'ai pas eu le temps de lire. Fait que j'ai dit, lis-le pas. Parce que moi, avant, pendant ce temps-là, il y a eu les procédures judiciaires. La colère que j'avais, qui me restait de ma mère... Était pas sortie. Était pas totalement sortie. Ma mère est décédée par après. Fait qu'il y a plein de choses, on dirait, qui se sont placées pour que, quand le livre était réellement fini, cinq ans plus tard, c'était le bon temps qu'il soit terminé. Mais moi, je suis un extrémiste, hein. Des fois, j'ai tendance à vouloir avoir tout de suite. Et là, c'est un travail que j'ai été obligé de faire longtemps sur moi. Puis de prendre le temps. Oui, il faut être patient en édition, hein. Il faut être très patient. Puis j'ai été refusé à plusieurs reprises. Puis là, j'ai pogné la meilleure, c'est la meilleure. Marie-Josée. Les éditions Performance. Ouais. Vraiment. Ouais. Les autres, Marie-Josée, elle a lu ton livre, oui, elle a vu ton manuscrit. Bon, elle a lu le manuscrit, elle a vu au-delà de qu'est-ce que moi je voyais déjà. Fait qu'on a amené le livre à qu'est-ce qui est aujourd'hui, où j'en suis très fier. Ouais. Parce que ton livre est un peu comme divisé en deux parties. Oui, effectivement. Puis ça m'a étonné aussi ça, parce que personnellement, j'en aurais pris plus de ton histoire, tu sais, parce que c'est une histoire humaine, c'est une histoire qui touche, puis c'est une histoire, j'allais dire, qui finit bien. Ton histoire est pas finie, là, mais tu sais, je trouve que tu illustres tellement le titre de l'émission Porteur d'espoir, là, tu sais, c'est vraiment... T'as tout vécu, là. C'est pas grand-chose que t'as pas vécu, non. Là. Non. Puis aujourd'hui,
tu consacres ta vie à aider les autres, à faire du bien, à les amener à prendre conscience de certaines choses. Puis t'es jamais dans le prêchi-prêcha non plus. Tu sais, tu te pètes pas les bretelles, tu te prends pas pour un autre, tu restes simple. Je t'ai vu en conférence, puis je te vois aussi, tu sais, quand on a des salons, tout ça, tu sais, t'es friendly avec tout le monde. Puis t'es pas dans tu parades pas, je vais dire ça comme ça, tu sais. Non, j'ai paradé en tant que danseur. Oui, c'est fait, ça j'allais dire. J'ai fait mon temps. Ouais. Je pense que les gens comme toi, tu me connais là présentement, ben tu vas me voir à l'extérieur, je vais être la même personne. Ouais. Dans mes conférences, je vais être la même personne. J'ai pas une diction qui est parfaite. Vous allez me voir comme ça. Quand je fais des vidéos sur Facebook, je le fais un take. Je l'envoie. Des fois, je me mets à bégayer, je pars à rire et je veux être le plus authentique possible parce que j'ai tellement travaillé sur moi pour... J'étais déjà comme ça, mais pour rester comme ça, même avec le parcours un peu flyé, différent des autres, mais j'ai appris que dans ma différence, c'est ça qui me démarque. C'est ça qui fait ta richesse. Exactement. Ouais. Parce que tu es en mesure de comprendre la souffrance humaine aussi, puis la détresse, puis l'abandon, le manque d'amour, la maladie. Tu sais, tu as vécu toutes ces choses-là. Effectivement. Tu aurais souhaité avoir des enfants? Oui, ben moi, depuis l'âge de 20-22 ans, j'aurais aimé avoir des enfants. Et jamais quand même trop tard. Je suis pas encore fini là-dessus. J'ai besoin de laisser la poussière retomber. Encore maintenant? Oui. Avec tout ce qui s'est passé, le stress de la cour, de vouloir encore... Parce que le temps que j'ai été en sentence, ben je travaillais 7 jours sur 7 au SPA pour payer les frais de l'avocat. Et en même temps, je faisais des travaux communautaires. J'ai fait 240 heures de travaux communautaires. Qu'est-ce que tu faisais comme travaux communautaires? Ben, je travaillais dans une place que tu triais des fruits, des légumes pour les personnes défavorisées. Tu retournais aux fruits et aux légumes comme à Saint-Georges? Aux fruits et légumes comme à Saint-Georges, exactement. La vie a le sens de l'humour, hein? Quelle ironie, quand même! Tout tombe à point. Ouais. Fait que pour moi, dans ce temps-là, j'étais encore dans le mode de survie. Parce que fallait, je pense, cette étape-là. Puis on parle d'il y a combien de temps, ça? Ben, la sentence, ça fait pas très longtemps. Mettons, c'est l'été passé, ah, là. Ah, quand même! Oui, ça fait pas très longtemps, okay, là, que ça a tombé. Mettons, 6-7 mois, là, oh, environ. Oh, mon Dieu, OK. Oui, grosso modo. Fait que c'est tout frais. Fait que pour moi, c'est vraiment de redescendre la poussière, de prendre soin de moi. Tes 240 heures sont déjà faites? Oui, je l'ai fait dans... Il fallait que tu le fasses dans l'année. OK. Fait que moi, j'allais une fois par semaine, je faisais un bloc de 5-6 heures, plus la masso, plus te faire réveiller dans la nuit... Et c'est pas un reproche, là, du tout, mais c'était comme ça. Fallait que je passe à travers. Puis j'ai eu des moments difficiles, là. C'est important pour toi de pardonner vite, hein? Oui. Mais des fois, quand c'est trop vite, là, ça te rattrape. Oui. Oui, effectivement. Ben, souvent, c'est parce qu'on veut pas souffrir. Non, on veut c'est pas ça. Vivre l'émotion qui vient avec ce qu'on a besoin de pardonner, hein. Mais c'est important de le vivre. Vraiment, c'est important de le vivre. Puis là, je suis comme dans le lâcher prise, tout ça. Quand il y a des émotions qui remontent, je prends le temps de les vivre là présentement. Je veux pas me bousculer. J'ai tellement le goût de partager, là. C'est ça, mon dada, là. Comme je te disais tantôt, de faire de l'argent pour faire de l'argent, ça m'intéresse plus. Là, ce que je veux, c'est toucher les gens, leur montrer qu'avec la souffrance, tu peux le transcender et prendre tout ça en positif. Parce que ça devient que des expériences en réalité, là. As-tu l'impression d'avoir choisi de vivre ces expériences-là. Sur 100%. Ouais. Comme je te disais, quand j'avais 5 ans, puis je parlais à la lumière, mais pour moi, c'était vraiment de dire, je le sais là que je vais en baver réellement. Tu t'es fait un chemin de vie assez rock'n'roll. Ouais. Ouais. Mais je pense que ça prenait ça pour démontrer aux gens de rester authentiques. Tu penses que tu le fais pour les autres? Sûrement pour moi, parce que j'avais des choses à apprendre dans ça, mais j'avais un but ultime, puis... Si ça serait pas de partager aux autres, je pense que je serais pas aussi flamboyant. Ouais. Tu comprends? T'es passionné, en tout cas, quand t'en parles. J'ai appris à m'aimer, à être qui que je suis, dans mes défauts, dans mes qualités. Je veux le partager aux gens. Leur dire que ils ont un grand pouvoir à l'intérieur d'eux. On arrive vers ça bientôt, là. Ton livre s'appelle « Ma vie mise à nu » avec une photo sexy là, sur le dessus. Il est sorti quand, ce livre-là? Le 6 novembre cette année. Le 6 novembre, OK. Donc, il est disponible en librairie pour ceux et celles qui le cherchent. Est-ce qu'il est sur Amazon? Il est partout sur Amazon aussi. Super. En librairie, demandez-le, parce que à cause de la pochette, ils sont un peu gênés de le placer. Mais je vois pas pourquoi, mais ça leur appartient. Ouais. Ben, ça dépend. Hein? Moi, je trouve ça beau, mais c'est vrai que ce matin, c'est hier, quand j'ai mis cette nouvelle photo, là, je me suis dit, oh, ça va faire réagir, c'est sûr. Mais en même temps, tu sais,
c'est assez, c'est osé, oui, mais quand on connaît l'histoire derrière ça, puis et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce que la première fois que je t'ai vu, on était au Salon de l'éveil à Laval, t'avais ton kiosque à côté du mien, puis t'avais ton ta grande banderole avec cette image-là, puis là, j'ai fait, oh, pelaï, qu'est-ce qu'on a à côté de nous, tu sais? Un méchant spécimen. Puis, tu sais, on parle beaucoup de ne pas être dans le jugement, tout ça. Puis, tu es venu nous parler, moi et les filles avec qui j'étais, Nathalie et Karine, tu sais. Puis, on a passé du temps à discuter, pis à apprendre à se connaître aussi. Puis, je me disais, quelle merveilleuse leçon de ne pas se fier à l'image qu'on a. Tu sais, parce que t'es tatoué, t'es percé, t'as été danseur nu, t'as fait pousser du pot, t'as eu une sentence, je veux dire, hein? Puis quand les gens me connaissent... Puis quand on te connaît, tu sais, t'es tellement un gars simple, puis pas compliqué, puis drôle, puis abordable, puis... Tu sais, t'es pas épeurant, là, on va dire ça comme ça, parce que ça pourrait être impressionnant aussi, mais c'est tellement... T'es tellement tout le contraire... de toute cette image-là, puis je trouve ça fascinant. Je trouve qu'il y a quelque chose à faire avec ça, dire oublier l'image là, puis regarder au-delà de ça, tu sais. Ben, tu sais, tu restes t'es un beau bonhomme. Merci. Il est content de sa chère, tu sais. Tu sais, tu parais bien tout ça. Puis quand on regarde les tattoos, les piercings, puis tout ça, on se dit, hey, rock'n'roll, mais c'est tellement pas ça. Tu sais, on a l'image des Rock Machines ou des Hells Angels, mais t'es à 100 milieux de ça. Effectivement. Puis j'aime que tu affiches cette différence-là, parce que j'ai l'impression que ça fait tomber des tabous aussi. Ben j'espère, puis je suis content que t'en parles. Je suis vraiment content que t'en parles, parce que, juste pour revenir à la pochette du livre, on s'est fait demander à plusieurs reprises de la changer, la pochette du livre. C'est vrai? Oui, avant l'impression. Moi, j'ai pas dansé 6 mois, là. J'ai dansé quand même 14 ans de ma vie. Oui. Et là, je suis à 43. C'est pratiquement la moitié de ma vie. Mm-hmm. Et moi, j'ai appris énormément de ça. Et quand j'en parle aux gens, quand je suis dans ma conférence, je veux que les gens arrêtent de se fier sur l'image et qu'ils soient capables de voir au-delà de ça. Mm. Le titre du livre, c'est vraiment « Ma vie mise à nu », puis je pense que ça concorde. C'est un bon titre, en tout cas. Ouais. C'est un très bon titre. Je me suis mis nu pour de vrai, et dans le livre, je suis vraiment à nu, là, je veux dire. Il y a des choses que je raconte dedans. Ouais. Je peux pas être plus intime que ça, puis être véridique. Là. Mm. Et peu importe ce que les gens peuvent penser, tu sais, dans la vie, il y a des gens qui vont aimer, puis il y en a d'autres qui aimeront pas. Mm. Et cette image-là, ça fait partie de mon parcours de vie. Mmh. Les gens, aujourd'hui, ce qui arrive, là, c'est qu'ils veulent que tu leur dises, ils veulent que tu sois humble et honnête. Et que tu sois parfait. Mais que tu sois pas trop dérangeant pour c'est eux ça. Autres. Ah ouais. C'est ça. Si t'oses émettre une opinion ou si t'oses t'habiller différemment, tu te le fais dire. Exactement. Mais je suis rendu dans un stade à 43 ans que je pourrais dire que j'ai travaillé très fort pour m'aimer. Parce que je pars de loin en tabarnouche pour ça. Puis je m'assume d'avoir des tatous. Puis les tatous, pour moi, là, ils ont des significations. C'est pas juste de me faire tatouer comme ça. Ils ont des significations pour moi. Les burbles, ça me fait bien. Je suis content de les avoir. Peut-être que dans 5 ans, je les enlèverai. Mm. Mais là, présentement, je m'assume en tant qu'être authentique. Mm. Puis qui est pas mieux qu'un autre, puis qui est pas pire qu'un autre. Je suis juste moi-même. Mm. Et moi, je suis fier de qui je suis aujourd'hui devant toi. Là. Mm. Puis j'espère que les gens vont être capables de faire puis de suivre qu'est-ce que je leur dis. Ouais. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Ouais, c'est difficile, hein? Oui, c'est difficile. C'est un travail. Ouais. Quand tu te faisais faire des tatous, est-ce que c'était en réaction à quelque chose? C'était des messages pour toi? Ben, des messages pour moi, c'est sûr. Moi, j'ai fait des arts martiaux longtemps. J'ai même enseigné. Fait que le dragon représente la force, le ninja, les arts martiaux. Le petit bonhomme sourire que j'ai sur ma main droite. Ouais, je me suis fait faire ça la veille que j'ai passé... que j'ai passé en cours. Ouais. Et là, je me suis dit, advienne que pourra, peu importe ce qui arrive, je reste de bonne humeur et la vie est belle. Non, mon Dieu, t'avais déjà déterminé jugement. Ça. Ouais. Exactement. Et quand j'ai fini ma sentence, j'ai fait faire le petit diable de ma main gauche. Oui, c'est il est très mignon quand même. Ah, c'est oui, pas un diable cool. découragé, un diable diabolique. Puis pour moi, ça représente vraiment, c'est un comme le yin puis le yang. Tu comprends? Comment tu peux aimer le chocolat noir si t'as pas essayé le chocolat blanc? Ouais. Comment tu peux aimer être en contact avec une fille qui est blonde ou une fille qui est brune? Peu importe, ça comme pas vraiment de différence. Ouais. Là. Mais faut essayer des expériences dans la vie. Puis grâce à ces expériences-là, ben ça peut devenir une unité qui te fait avancer énormément dans ta vie.
Puis pour moi, j'étais... C'est une fierté, puis je suis content. Fait que ça représente le yin et le yang, puis je suis très content de ça. Hmm. C'est beau, sont faits avec goût aussi, là, tu sais. Ils sont, très colorés, Ça. Ils sont à l'image du bonhomme. On a un commentaire d'Annick Laprate qui nous souhaite une bonne entrevue et qui dit « Régis est tellement un homme de cœur ». Ah, merci Annick. Ouais, t'es un amour. Oui, merci on l'aime beaucoup. Notre Annick aussi. Tu as commencé à faire des conférences à la sortie de ton livre avant. Comment oui, c'est venu ça? Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'étais dans le processus de la finalisation du livre. Et entre-temps, moi, j'avais ma maîtrise en Reiki. Et pour moi, d'enseigner le Reiki traditionnel, ça me convenait plus. Quand on arrive avec les symboles, je sais que ça peut fonctionner sans symboles, exactement. Et je respecte ceux qui travaillent avec, c'est des beaux outils, c'est parfait. Mais moi, ça me faisait plus vibrer. Fait que j'avais 3 ans que je me suis battu contre moi en me disant, est-ce que j'enseigne comment moi je peux le percevoir? Parce que pour l'enseigner, il fallait que tu l'enseignes avec les symboles. Oui, ben t'as plusieurs niveaux. Le premier niveau, t'as pas de symboles. Le deuxième niveau, t'apprends des symboles pour traiter à distance, traiter au niveau mental, avec plus de pouvoir. Mais je le sais intérieurement que le plus grand outil, c'est soi-même. Fait que pour moi, ça vibrait plus. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de faire prendre conscience aux gens que eux, ce sont tous des grands maîtres qui sont à l'intérieur d'eux, puis c'est à eux autres de le découvrir. Et mon but, c'était pas de former 15-20 maîtres dans ma vie, là. C'était de partager le message. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour rejoindre le plus de gens possible? Et c'est là que j'ai eu l'idée de m'en aller conférencier. Fait que là, j'ai été à l'école 8 mois, à l'école Stéphane Roy, que je salue, qui est un professeur hors pair. Qui m'a aidé dans mon coaching, dans la préparation des textes. Et ça a été une très belle expérience. Puis à partir de là, mais là, je suis rendu conférencier. Depuis, je pourrais dire 1 an que j'ai terminé l'école. Fait que pour moi, c'est tout nouveau. Le livre, les conférences, tout est venu comme en même temps. On pourrait dire c'est vraiment un nouveau chapitre. Puis tu nous as raconté ta première conférence, je pense. La première conférence que j'ai faite. Qui était dans un club, c'est ça? La première conférence, dont je l'ai faite pour les travailleurs du Strom, mes collègues de travail. Ils étaient à peu près 25, une vingtaine. Puis je l'ai faite pour eux la première fois. Okay. Ça a super bien été, c'est sûr que c'est le stress. Mais tu vois, Diane, j'ai tout le temps été sur la scène. En tant que danseur, fait moi de mettre tout nu devant 3000 femmes en Europe, ou d'être sur la scène pour 600 personnes dans un dialogue, c'est sûr que là, c'est un langage qui est différent. Tu as l'impression d'être plus à nu quand t'es habillé que quand t'es nu? Sais-tu que c'est une... Je pourrais dire que oui. Parce que là, c'est toi, là. Non, là, c'est moi. C'est effectivement moi. Puis je prends de la place sur la scène. Puis tu vois, à un moment donné, je fais essayer pour ressentir l'énergie. Oui. Fait que je fais une genre d'incantation africaine. Et là, des fois, à l'école, ça passait plus ou moins bien. Mais moi, je suis une personne extravertie, comme je te disais, puis j'ai besoin d'offrir puis de prendre la place, pas pour me montrer, mais pour faire avoir du plaisir aux gens. Et je pense que on en parlait tout à l'heure à l'entrée, quand on réussit à être dans l'émerveillement puis de s'amuser, le message peut passer aussi bien, surtout dans l'énergie, là. Moi, ma conférence est sur l'énergie. Le titre, c'est « Wow, tout est énergie » pour expliquer aux gens. Tu as même un T-shirt en plus. Oui, je suis « Wow », ça va être mon nouveau logo en primaire. Oui, j'ai vu ça. Puis tu l'avais annoncé, je pense, sur ta page Facebook. Oui, je l'avais aussi annoncé, fait qu'éventuellement, j'aimerais bien faire des T-shirts. C'est là. Très beau. Ben merci beaucoup. Si les gens peuvent comprendre qu'ils sont tous « Wow » à l'intérieur d'eux, mais faut que tu sois « Wow » aussi avec ta colère, avec ta frustration. Faut que tu sois capable d'être « Wow » dans tous les aspects de ta vie. Et en faisant ça, ben c'est ça que tu vas dégager, ben c'est ça que tu vas attirer aussi. Tu parles beaucoup dans la deuxième partie de ton livre, tu sais, de l'énergie qu'on porte puis qu'on pourrait utiliser puis que tu arrives à utiliser toi dans ton travail aussi. Puis qu'en conférence, tu nous fais faire des exercices pour justement la sentir entre nos mains puis tout ça. Comment tu penses qu'on pourrait s'en servir dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce que les gens qui viennent te voir là, puis que à qui tu fais du bien, est-ce que tu as des conseils à nous donner? Est-ce que tu as des suggestions d'exercices à faire ou peu importe? Moi, je pourrais dire que déjà prendre conscience que tout est énergie dans le sens que ton corps vibre aussi facilement que si tu rencontres une personne puis des fois tu t'entends bien avec la personne et l'autre personne t'es pas capable de la sentir. Mais ça, c'est une connexion au niveau vibratoire. C'est que tu rentres dans le champ énergétique de la personne. Il y a un moyen d'en prendre conscience. Si tu arrives pour rencontrer quelqu'un, tu tombes sur une fréquence. Tu sais que t'es pas bien. Tu peux changer de fréquence en changeant ta pensée dans une autre direction. Déjà là, on change de fréquence. Moi, je dirais aux gens qui ne croient pas à l'énergie de faire cuire du riz, de le mettre dans 2 plats hermétiques,
les fermer, les mettre sur le comptoir et de placer les mains autour du pot, exemple, à environ un demi-pouce, un pouce. Et autour d'un des deux pots. Un des deux pots, oui. Un, toujours le même, à tous les jours, pour environ 1 à 3 minutes. Vous regarderez l'effet que ça va faire. L'autre pot va se mettre à devenir très foncé, pourri, lui, à peine s'il va jaunir. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Mm-hmm. Qu'est-ce qui arrive en énergie? Là, c'est que souvent, les gens vont dire, écoute, moi, je vais prendre l'énergie universelle puis je vais te la transférer. Mm-hmm. C'est correct de penser comme ça. Mais il faut penser que le corps, déjà en partant, il vibre. Fait que déjà, aussitôt que tu as l'intention d'imposer les mains sur quelqu'un, le transfert se fait. Exemple très banal, admettons qu'on a vraiment mal à la tête, un gros mal de tête. C'est quoi que le corps fait instinctivement sans que tu y penses? On met nos mains sur la tête. Sur la tête. Mm. Pourquoi? Parce qu'il y a un mini bienfait qui se fait, parce que tu transfères de l'énergie. Mm. Tu as mal au ventre, tu touches le ventre. Mais c'est la même chose. C'est juste le problème qui arrive, c'est que quand il y a des guérisseurs ou des maîtres Reiki ou peu importe, des gens qui travaillent en énergie vont dire aux gens, écoute, je te promets, je vais te guérir, arrête ta médication. Oui. S'il vous plaît, si vous rencontrez des gens qui vous promettent une guérison, sortez de là pis ça presse. On n'a aucun contrôle sur la guérison. L'énergie, elle a sa propre intelligence. Aussi facilement que si tu fais un câlin à quelqu'un qui est triste. Ça réconforte. Ça réconforte. Tu transfères l'énergie qui s'appelle l'amour. Mais si tout le monde serait juste conscient de ça. Si on se faisait tous un câlin chaque jour, ça serait tellement bon. Effectivement. Mais le travail en énergie, c'est ça. C'est de prendre conscience qu'on est déjà de l'énergie, d'imposer les mains sur la blessure, puis faites juste observer ce que vous ressentez. Ceux qui font du stress puis de l'anxiété, là, d'imposer les mains au niveau du plexus solaire, en dessous de la poitrine, puis laissez vos mains là. La chaleur va s'intensifier. La chaleur, c'est quoi? C'est votre énergie. Et plus qu'on est proche du corps, plus qu'on va la ressentir, plus qu'on s'éloigne, plus qu'on va toucher à des fréquences. On va peut-être la ressentir moins, mais il va se passer plus de vibrations à l'intérieur du corps en le faisant comme ça. Tu utilises ça dans ta vie de tous les jours? Oui, tous les jours. Autant que me lever le matin, si j'étais un peu grognon, puis j'ai le goût de passer une belle journée, je vais prendre une grande respiration. Je vais essayer de ressentir l'énergie négative. Puis avec l'expiration, je vais la faire sortir du corps. À ce moment-là, ce que je peux faire, c'est me faire une boule de protection. Ça, c'est très simple. C'est grâce à la pensée. Tu vas te remplir de lumière d'en dessous des pieds, à par-dessus la tête. Et quand tu fais ça, puis tu sens que t'es rempli de lumière, t'es protégé pour une quinzaine d'heures. Quinzaine d'heures, quand même. Il n'y a pas rien de farfelu dans ça. C'est juste une prise de conscience. Puis tout le monde peut le faire. Comment ça se fait qu'on s'est éloigné de ça? Parce que... les chamans le font, les autochtones le font, les bouddhistes, les taoïstes, tout ça. Comment ça se fait que ici en Occident, on a perdu ça? Là, le côté rationnel a pris le dessus. Le côté, moi, je vais dire mon opinion personnelle. La médecine traditionnelle a des très bons effets, mais ils n'ont pas toutes les réponses. Les traitements énergétiques n'ont pas toutes les réponses non plus. Les acupuncteurs non plus. Ceux qui travaillent avec les herbes, les herboristes n'ont pas toutes les réponses. J'ai l'impression personnellement qu'il y a un effet d'argent là-dedans au niveau de la médication. Parce qu'il y a combien de gens que je traite qui se font donner de la médication pour étouffer leur douleur, mais en réalité, leur douleur, c'est parce qu'ils se font traiter de tous les noms à la maison. Ils sont pas heureux, puis sont dans la peur de vouloir quitter la maison. Ou qu'ils se sont fait traiter, maltraiter jeunes. Maltraiter jeunes, oh oui. Puis on traîne ça comme des seaux de sable pleins d'eau. Effectivement. Moi, je pense qu'on est rendu dans un temps où c'est le temps de prendre conscience qu'on a plein d'options. La première option, c'est d'écouter son corps puis de regarder comment qu'on se sent dans telle situation. T'es dans une situation, tu vibres, tu croches, tu l'as ta réponse. Après ça, qu'est-ce que tu peux faire pour t'aider? Mais souvent, quand on est, supposons, on rencontre quelqu'un puis on se sent pas bien avec cette personne-là, on a plus tendance à éviter ou à se refermer. Mais on n'est pas conscient de ce qu'on vit. Tu comprends? Je dirais que la majorité du temps, notre réaction est l'évitement. Tu sais, c'est OK, on se débarrasse de ça vite fait, puis OK, on passe à d'autres choses. Et, oh non, je veux pas aller là, j'aime pas ça, puis ça se termine là. Mais je pense qu'il y a un deuxième niveau auquel on pourrait accéder puis dire OK, qu'est-ce qui fait là, que je suis pas bien là? Parce que si on se posait cette question-là, puis si on allait voir en dedans de nous, comment ça se fait que je suis pas bien, ou qu'est-ce que ça a à m'enseigner, cette situation-là qui fait que je suis mal à l'aise en ce moment, ben peut-être qu'on aurait une réponse qui nous permettrait à l'avenir de dire, ah, ce genre de situation-là, ça ne me convient pas pour telle ou telle raison, plutôt que de dire, arc, j'aime pas ça. Non, c'est ça. T'es en train de le dire, le mot « pourquoi » aussi.
de prendre le mot pourquoi, de dire pourquoi je me sens comme ça, et la réponse. Qui vient vite, souvent. Qui vient vite, exactement. D'être à réflexion sur elle. Et si à un moment donné, les gens rencontrent toujours le même pattern, c'est pas les autres le problème. Non. C'est eux à l'intérieur qui dégagent cette énergie-là. Puis des fois, c'est pas méchamment, mais ils le dégagent, fait que c'est ça qui attire. Et tant que ça sera pas réglé, ils vont revivre la même situation amoureuse, amicale ou au niveau du travail aussi. Je pense en priorité dans la guérison, c'est la guérison de soi, de pouvoir se connecter à soi-même, regarder comment on sent, de trouver les pourquoi qu'on sent comme ça, et de décider est-ce que j'ai le goût d'accepter ça encore dans ma vie ou non, dans les prochaines situations. C'est un travail constant de regarder si tu manges bien. Oui, si tu manges bien, si tu bois assez d'eau, exactement. Si tu dors assez. Est-ce que tu fais du sport? Oui. Est-ce que tu fais des choses que t'aimes? Est-ce que tu fais un travail que t'aimes? C'est important aujourd'hui, là, j'en parle beaucoup parce que c'est ma révélation à moi, mais d'arrêter de focusser sur l'argent et de se concentrer vraiment sur pourquoi je fais ce travail-là. Et là, les gens vont dire, ben j'ai des paiements à faire. Mais pour moi, c'est pas la bonne réponse. Non. Posez-vous la question, pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça? Et quand vous allez vous dire, ben je le fais parce que j'aime ça, là, vous êtes en synchronisation avec ça. Je le fais parce que j'ai du fun. Exactement, j'ai du plaisir, je suis bien dans ça. Souvent, c'est la même réponse. J'ai des enfants à faire vivre, faut que je paye les comptes, faut que je fasse ci, mais au bout de la ligne, tu fais juste travailler pour payer. T'as aucun plaisir. On est rendu dans un stade, l'être humain est là pour apprendre des choses, mais est capable d'explorer puis de vivre pleinement sa vie. Puis d'être heureux. C'est le temps d'être heureux, là. As-tu l'impression que tu touches à ton plein potentiel en ce moment? Tranquillement. Tranquillement. Oui, tranquillement, pas vite. Tu te vois faire quoi? Tu sais, comment tu vois l'évolution de cette nouvelle carrière-là, de ce nouveau jouet-là, qui est les conférences, les livres, les rencontres avec les gens? De faire prendre de plus en plus conscience à tout le monde et de voyager le plus. Moi, c'est pas compliqué. Ah, c'est vrai? Ah, oui. Moi, là, je veux faire que ça. Des ateliers, des conférences, des ateliers sur mesure, des conférences sur mesure. J'ai tellement de choses à dire. Je pourrais écrire 5 livres quasiment sur qu'est-ce que j'ai pas à dire. Ben, le deuxième est fini, là. C'est ça. Là, ça me prend un peu plus de temps. Le deuxième, il est fini. Tu vas parler de quoi? La seule chose que je vais dire le mot « wow ». OK. J'en dirai pas plus. D'accord. Mais, pour faire comprendre aux gens que, comme je disais tout à l'heure, quand tu sais que t'es wow à l'intérieur, dans tous les aspects de ta vie, c'est ça que tu vas dégager, c'est ça que tu vas attirer. Mais je t'en dis pas plus, c'est une surprise à toi les auditeurs. Tu prévois le publier quand? Écoute, je vais l'envoyer à la maison d'édition, mettons, d'ici 3 semaines. Ah, déjà, quand même. Puis on verra, rendu là, c'est accepté. C'est assez prolifique, parce que c'est le dernier sorti le 6 novembre. Oui, mais j'ai clenché. On dirait que tout ça s'est débloqué. Exactement. Okay. L'inspiration est venue. Puis comme je te dis, ben, moi, j'ai fait plein de fautes en français, fait que j'écris et je suis dyslexique aussi, fait que je suis obligé de relire 5-6 fois le paragraphe, puis des fois je relis puis je me dis mon Dieu, qu'est-ce que j'ai marqué là. Mais j'ai une très bonne équipe en arrière de moi qui alléluia qui vont m'aider à travers ça. C'est bien, c'est le fun. Puis tes conférences. Là, comment elle s'appelle ta conférence? C'est wow, je suis wow. Non, ça. Ma première conférence c'est wow, tout est énergie. OK. Fait que c'est vraiment le principe de parler de mon parcours de vie un peu, d'expliquer qu'est-ce qui m'a amené à l'énergie comme on a fait un peu aujourd'hui, de faire jouer les gens avec l'énergie, de prendre conscience qu'on est tous interreliés avec des faits concrets, là. Comme tantôt, je te parlais du mal de tête, mais c'est des faits concrets qui sont réels. Ouais. J'amènerai pas les gens au niveau de la spiritualité, de la religion, parce que tout ça, c'est tout mélangé, ça n'a aucun rapport. Pour moi, la spiritualité, mettons, c'est vraiment la foi. D'avoir foi en soi, d'avoir foi en la vie. L'Église, la religion, pour moi, je suis catholique, non pratiquant. Tu sais comment je vois ça, un peu la spiritualité? Moi, j'ai pas d'ailleurs. Fait que si c'est une énergie qui est vibrante, ça j'y crois, parce qu'avec qu'est-ce que je fais, je ressens qu'il se passe quelque chose de plus puissant que moi, c'est parfait. Si à un moment donné, il arrive des extraterrestres pis qu'ils me disent « Bon, on a joué avec votre ADN, c'est nous autres qui vous a conçus, alléluia, pour moi c'est parfait. » Fait que j'essaie de pas me mettre d'ailleurs dans rien de ma vie, de pas être dans le jugement, de pas catégoriser, d'être dans la foi, puis de me dire, moi, je peux avoir foi en moi, ben les autres peuvent l'avoir aussi, là. As-tu l'impression qu'il y a des zones de toi que tu connais pas encore? Je pense que j'y connais pas mal toutes. C'est vrai? Oui, je pense bien. OK. Ouais. Mais on peut jamais dire qu'on se connaît à 100%,
peut-être qu'on se parlerait dans 6 ans, puis je te dirais, ah, ben il y a ça que j'ai rattrapé de moi. Alors, ta première conférence, c'était, wow, tout a été énergie, puis t'en as une autre, une ou deux autres? Non, mais dans le fond, là, j'en ai pas vraiment une ou deux. Ça bégaye ici, on se calme. Non, souvent, après 2 heures, tu fais ça. Alors, j'en ai pas d'autres de montée. Par contre, j'ai tellement de choses à dire que je le sais, je peux parler d'un sujet. Je me suis fait offrir de faire une conférence sur la sexualité pour bientôt. Fait qu'à ce moment-là, je pourrais parler de mon parcours de vie, d'essayer de parler au niveau, en tant que danseur, qu'est-ce que j'ai compris par rapport à la femme. Parce qu'il y a plusieurs types de femmes qui viennent, là. T'as des avocates, t'as des danseuses, t'as des filles de bureau, t'as vraiment des... Des madames mariées. Des madames mariées, des madames pas mariées, t'en as toutes les sortes. Qu'est-ce que t'as compris? Ils ont besoin d'être aimés, d'être compris, d'être non jugés. Je pense que c'est la plus grande part de qu'est-ce que j'ai compris. Puis surtout de retrouver que c'est pas des morceaux de viande. Que ce soit dans n'importe quel type d'aventure sexuelle, faut que la femme soit respectée. Parler des cinq sens. Les cinq sens, là, ça peut devenir quelque chose de très sensuel, là. D'être capable de dialoguer avec la personne, d'essayer de comprendre. Parce que souvent, on va parler entre deux personnes pour faire l'amour ou quoi que ce soit, mais tu t'écoutes même pas ce que l'autre personne t'a dit. Tu veux juste empiétiner par-dessus. De prendre le temps d'écouter, c'est vrai, de prendre le temps d'écouter, de pas rien obliger à l'autre personne. D'être capable d'en discuter. Si vous voulez essayer des choses flyées, mais faites-le, mais soyez consentants les deux. C'est beau le sexe. S'il n'y aurait pas de sexe, on serait pas là. Personne serait ici. Puis je trouve ça dommage, d'un côté, qu'il y a des gens qui sont, mettons, très pudiques, et l'autre côté, c'est vraiment film porno à tout à finir, là. Puis tout le monde est des morceaux de viande. Il y a un juste milieu là-dedans. De faire l'amour, ça le dit. C'est important de faire l'amour, de respecter l'autre. Comment qu'on fait quand on a vécu ce que tu as vécu, quand on a été abusé, quand on était danseur, quand on a eu toutes les femmes qu'on voulait? Comment on fait pour trouver un juste milieu? Comment on fait pour trouver un juste milieu? Dans l'apprentissage, dans l'équilibre, je pense. D'apprendre à se connaître. Parce que si moi, j'avais le goût de partir avec toi, exemple, ben je passerais pas par 4 chemins. Je te dirais, écoute, à soir, t'as-tu le goût qu'on s'amuse? Il n'y a pas de lendemain. Commençons par ça. C'est oui, c'est non. Puis même moi, je pouvais me le faire demander. Puis je pense que ça, c'est pas l'effet que tu sois danseur. N'importe qui peut arriver. Tu t'en vas dans des 5 à 7, là. C'est peut-être aussi pire que la personne qui a dansé toute sa vie, là. Tu comprends? C'est quoi ton plus beau souvenir dans toutes ces choses-là que tu as vécues? Parce que tu as vécu du beau et du moins beau, mais... C'est... Par rapport à être danseur? Par rapport à ta vie? À ma vie. D'avoir grandi. Mais un souvenir en particulier, tu sais, qui disait... L'Europe, quand tu étais avec les Chippendales. Oui. L'Europe, c'était vraiment que du spectacle. Il n'y avait pas de nudité. Dans le pire des scénarios, on voyait une paire de fesses, mais c'était que du spectacle. Et je me rappelle de marcher dans la grande place. À Bruxelles. À Bruxelles, d'aller voir l'American Theatre. J'étais là, cette date-là, l'année passée. C'est vrai. Les bijoux que je porte viennent de là. Je les ai achetés là. C'est un très beau coin, hein. Les gens c'est sont magnifique. Chaleureux. Ouais. C'est sûr, c'est moissade comme température. Ben, pas pour moi. Il faisait un temps magnifique. Moi, toutes les fois j'y étais, je sais pas si c'était à cause de la saison, mais c'était tout le temps mouillasseux un peu. Très moissade. Mais c'est vraiment d'être dans la grande place. Et de, moi, j'aime pas... verse une terrasse. Oui, effectivement. Et là, c'est drôle parce que j'aime pas vraiment la boisson, mais là-bas, ils ont de la crique aux cerises. C'est une bière aux cerises. Okay. Et c'est une bière qui est très onctueuse. Fait que l'effet de prendre la bière, puis j'aime beaucoup le goût de la cerise, ça goûtait que la cerise, ça avait pas l'impression de boire un alcool là-dedans. Et l'effet de le prendre tranquillement, d'être dehors sur la terrasse, de voir le monde marcher, d'être complètement dépaysé de Montréal, du Canada, et de dire, hey! D'aller voir le mannequin de pisse. Effectivement, le petit bonhomme qui pisse. Qui est tout petit! Qui est tout petit, à Noël, il a le petit chapeau de Noël. Il l'habille en saison, hein? C'est vrai, je savais pas. À chaque saison où... Moi, quand je suis allée, ça faisait pas tellement longtemps qu'il y avait eu l'attentat. Ah, OK. Ça faisait, je sais pas, peut-être une couple de mois, je sais pas trop. Puis j'étais contente d'être là. Tu sais, j'avais l'impression que c'était... Je sais pas, j'avais l'impression que c'était la vie qui reprenait ses droits aussi. Puis j'ai adoré la Belgique. Je salue d'ailleurs tous mes amis de Belgique, Linda et tous les autres que j'ai rencontrés. C'était vraiment... C'était un moment spécial. J'ai célébré mon anniversaire là-bas et je sais pas. Il y avait quelque chose de magique dans cette ville-là. Je suis partie me promener tout seul justement cette journée-là, puis je me disais, waouh,
Wow. Mais l'architecture, là, c'est formidable. Ouais. Les plaines, les montagnes, les chemins, c'est pas comme du tout comme ici, là. Il y a une énergie, tu respires là-bas, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ouais, ça a été un des plus beaux moments. Tes dons de médium, on en a pas reparlé. Tu fais quoi avec ça maintenant? C'est quoi, je laisse aller. OK. Parce que tu as encore, j'imagine, des visions, des intuitions, ça l'arrive. Des ça messages. Tout le temps. Ça se manifeste comment pour toi, des visions? Des visions, des ressentis, des feelings aussi banals que, mettons, je vais arriver pour tanker la voiture, mettre du gaz. Je vais arriver pour payer, puis quand je sors ma carte, je vais entendre, elle fonctionnera pas. Et quand je mets la carte, puis j'essaye, elle fonctionne pas. Ou sinon, je vais arriver pour traiter une dame, puis ça va me dire les pieds. Et là, j'ai tout le temps les pieds dans... Puis quand je commence à travailler sur elle, je m'en vais aux pieds, et là, les grosses réactions commencent. Fait que c'est vraiment beaucoup des ressentis. Ça l'arrivait à quelques fois que j'ai vu des images très claires, que je ressentais tout ce que la personne décédée vivait. C'est quelque chose, là. Excuse-moi. Mettons, je traite une dame. Oui. Et je ressentais, exemple, tout ce que son mari avait vécu avant son décès, de la personne décédée. Et ça, tu faisais quoi avec ça? J'expliquais comment je me sentais. Tu avais l'impression que lui était là il était là. C'est ça, lui était là, puis il me faisait ressentir ce que lui sentait. Ça servait une cause, ça? Fond, je pense que c'est pour aider les gens à lâcher prise. OK. Parce que, de qu'est-ce que je comprends, quand ils sont de l'autre côté, c'est des paliers. Fait que si tu ne pardonnes pas ici, les personnes qui sont vivantes, ou t'es attiré tout le temps, tu restes accroché. Eux ont de la misère à continuer de l'autre côté. De qu'est-ce que moi je peux ressentir? Okay. Fait qu'à ce moment-là, des fois, c'est juste un message pour que la personne lâche prise. Comme un moment donné, je massais une dame en massothérapie, et il y a une petite fille qui est apparue de l'âge de 7 ans. Puis elle se mettait à passer dans mon champ périphérique 2-3 fois. Et quand je suis arrivé au niveau du ventre, c'était clair. Mes mains se sont activées, c'est devenu bouillant. Et j'ai fait le message de la petite fille de lâcher prise. Puis ça, c'était un bébé qu'elle avait perdu il y a 7 ans. Oui, un bébé qu'elle avait perdu. Puis moi, je la voyais d'environ 7 ans pour me spécifier que ça faisait une durée d'environ 7 ans. Okay. C'est comme si l'âme continuait à grandir de l'autre côté. OK. Dans ma perception à moi, là. Okay. Fait que c'est sûr, quand il arrive cette émotion-là, c'est pas évident de dire à la personne, écoute, je peux pas arriver puis dire à la personne, écoute... Ta fille est là. Puis j'ai un petit message pour toi. Il y a des gens qui sont très à l'aise de le faire. Moi, comme je t'ai dit tantôt, peut-être que je me sens pas assez à l'aise de le faire. Et je suis pas rendu là. Est-ce que tu le fais avec tes amis des fois? Est-ce que tu as des images, des messages? Des fois oui, des fois non. Ouais. Okay. Comme des fois, je vais souvent écouter la télévision avec ma blonde. On écoute la télé, là, il y a 2-3 personnes qui passent. Fait que là, mes yeux, ils se mettent à le voir, puis elle est sur le côté. Fait que là, elle me voit décoller les yeux un peu. Elle me dit là, elle dit en a, hein. J'ai dit, oh, oui, c'est correct. Mais elle aime pas ça. Est-ce que c'est des gens décédés ou... Je pense que oui. Okay. Oh, oui, c'est des gens qui sont décédés. Quand je les vois... As-tu l'impression que t'as une mission de passeur ou... Je suis un passeur parce que ça l'arrive des fois dans la nuit que je me fais pousser. Pour vrai? Oui, ça a déjà arrivé à quelques reprises. Je me fais talonner comme ça, là, je me réveille, je ressens la personne, mais je la vois pas. Fait qu'à ce moment-là, je prends le temps de me réveiller comme il faut, je prends des grandes respirations et j'essaie de faire un portage de lumière pour envoyer la personne en direction. Et quand je ressens qu'elle traverse... La température change dans la pièce. Ça devient froid, ça devient chaud. Ça devient chaud. Parce que le temps qu'elle est là, c'est plus froid. OK. Oui. Ça arrivait à quelques reprises. Ça te fait pas peur, ça? Non, parce que je l'ai tellement vu souvent. Des fois, quand j'étais petit, je sentais des personnes me préser sur le corps quand j'avais l'âge de 8-9 ans. Et là, c'était comme s'ils me disaient, tout va bien aller, mais là, tu peux pas t'élever là. Et je pouvais pas bouger. Puis à un moment donné, je sentais l'apaisement, puis je finissais par me rendormir. C'est assez spécial. C'est sûr que des fois, quand ça arrive, tu peux arriver et dire, je suis rendu cinglé. Mais avec tout ce que j'ai vécu, pour moi, c'est clair, c'est là. Je suis dans l'acceptation de ça. Peut-être qu'éventuellement, dans l'expérience, je prendrais peut-être plus d'expérience à ce niveau-là, puis je pourrais peut-être faire des consultations. As-tu l'impression que tu as une mission là-dessus, avec ce don-là? Ben, je pense que oui et non. Dans le sens que ça vient rejoindre les traitements que je fais. Ouais. Ça rejoint le partage que je fais aussi. Fait que je pense que tout est interconnecté, hein. De là à dire que je ferais juste ça comme médium, pas pour l'instant. Je pense pas. Mon impression à moi, mon feeling à moi, quand je te vois, là, puis quand je t'entends,
ma croyance, c'est que t'es juste au premier balbutiement de ce qui s'en vient pour toi. Parce que j'ai l'impression que t'es dans l'espèce d'entonnoir, mais tu sais, par en haut, je vais faire des prédictions, puis l'avenir dira si j'ai tort ou raison, puis c'est pas grave, là, tu sais. Mais j'ai l'impression que t'es en train d'ouvrir sur quelque chose de beaucoup plus grand, puis que il va y avoir quelque chose encore plus grand que ce que t'imagines pour toi. Mais pour de vrai, t'as raison. Puis ça, je le ressens depuis quelques jours. C'est vrai? Oui, parce qu'au début, moi, c'était vraiment de devenir conférencier sur l'énergie. Et j'ai traité une dame, une professeure d'école, qui m'a offert de faire des ateliers pour ses étudiants. Et là, j'ai vraiment eu comme le feeling que oui, l'énergie, c'est important. C'est comme une porte d'entrée, comme le livre d'abord. Mais je te l'ai dit tantôt, hein, quand j'avais l'âge de 5 ans, là, la lumière, là, je savais qu'elle allait avoir de quoi de gros. Je suis persuadé que je ne sais pas encore c'est quoi. Mais je sais que ça ne sera pas facile, parce que je reste encore une personne qui est extravertie. Ah, mais je suis pas d'accord avec toi. Non? Non. Mais j'espère de me tromper. Non, moi j'ai l'impression, tu sais, plus lourd le fardeau, plus gros le cadeau, là. Puis je pense que le fardeau, tu l'as vécu. Ouais. Puis là, j'ai l'impression que t'es sur l'autre versant de la montagne, puis que là, t'es en plein développement de ton plein potentiel, tu sais. Puis j'ai l'impression aussi que c'est exponentiel, que t'envoies juste les premiers balbutiements, puis tu dis, ah, oh, wow, c'est trippant, là. Mais le wow, selon moi, il va dépasser ce que tu crois. Ben, je me le souhaite parce que j'ai tellement à offrir, je le sais. Oui, puis je sais pas par quel canal ça va passer, mais c'est sûr que, tu sais, t'as aussi le don de toucher les gens, hein, par ta simplicité, là. Je t'envoie pas de fleurs, là, quand je te dis ça. Je veux juste constater ça. Ouais, ce qui fait que ça te rend accessible à plein de monde. Puis, comme t'es quelqu'un que, tu sais, on peut pas dire, oh, ben, il a tellement fait d'études, ou tu sais, il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, ou tu sais, c'est tellement pas ton cas que ça fait en sorte que n'importe qui peut aller vers toi puis se sentir compris aussi, là. Ben, j'espère que ça va être ça, parce que comme je t'ai dit, mon but, c'est vraiment de toucher le plus de gens possible. Et le livre, là, je reviens dessus, mais ça reflète vraiment qu'est-ce que je suis. Dans le sens que on n'a pas voulu garder la pochette pour attirer un peu l'attention, parce que je suis pas connu, c'est normal. Un petit peu pas mal, mais de démontrer l'authenticité. Ouais. J'ai dansé, j'ai été danseur érotique, j'ai rien à cacher. J'ai fait pousser du cannabis, j'ai rien à cacher. J'ai un dossier criminel aujourd'hui. Est-ce que je me considère comme un criminel? Vraiment pas. Ça veut dire que tu peux pas sortir du pays? Non, ben oui, je peux aller en Europe, ben et tout ça, mais je peux pas aller aux États-Unis. Ah, tu sais, je parle pas en anglais, fait que pour moi, c'est comme c'est correct. Yes, no, to, sir. Ouais. Mais c'est ça, vraiment. Tu sais, dans la vie, y a rien qui arrive pour rien. Puis j'accepte qui je suis. Puis j'espère de rencontrer le plus de gens possible, de faire passer le message le plus possible, d'apprendre à s'aimer soi-même. T'as passé à Denis Lévesque aussi. J'ai passé à Denis Lévesque la semaine après le lancement. Okay. Fait des alentours du 12 à peu près. T'es un bon agent de presse, hein? Oui, j'ai un bon agent de presse. Wow. Mais j'ai des belles étoiles. Tu l'as dit tantôt, puis tu me le fais constater encore, là. Ouais. Ben, comme toi, tu sais, merci de m'avoir invité aussi. C'est des belles rencontres, vraiment. Ben, on se laisse guider par le cœur aussi, tu sais. Je vais inviter des gens qui me font vibrer, puis je sais jamais à quoi m'attendre. Puis tu sais, je trouve ça le fun, parce que j'ai l'impression aussi qu'on apprend à se découvrir, puis qu'on les auditeurs apprennent à te connaître aussi. Puis ça, c'est ce que j'aime le plus, parce que j'ai l'impression que chaque personne qui vient ici a tellement des choses extraordinaires à apporter. Puis dans une formule qui est simple, puis qui permet aux gens de mieux connaître justement la personne. Tu sais, ce que tu as à offrir, j'ai l'impression que c'est appelé aussi à prendre l'expansion, puis peut-être que tu vas avoir bien des demandes aussi. Ben, je me le souhaite, puis moi, ce que je veux le plus faire, c'est d'ouvrir mon cœur aux gens. Ton cœur ou ton corps? J'ai donné mon corps quand même assez longtemps. À la science? À la science. Là, je veux donner mon cœur, surtout parce que j'ai pris le temps de le redécouvrir, puis de l'aimer. Puis en m'aimant, ben là, je sais que je peux aimer encore plus les gens. Et c'est ça le plus gros du message que je veux offrir. À travers, avoir été danseur. Mais tu sais, on apprend beaucoup de ça. Tes prochaines conférences, c'est où? C'est quand? La prochaine conférence, c'est... attends un petit peu. J'en ai-tu une bientôt? J'ai un atelier que je vais faire dans le bout de Saint-Jérôme le 31 mai. Un atelier sur l'énergie, la reprise de conscience.
la reprise de soi-même, qui va s'intituler « Wow, reconnecte-toi », se reconnecter à la vie, à ses émotions. Et la deux semaines plus tard, le 18, je vais faire une formation entraînement énergétique. À quel endroit? Dans ce boulot aussi, okay. C'est mon agent, malheureusement, qui a toutes les informations. Okay. Je les ai pas avec moi, précisément. Okay. Okay. Les gens pourront aller voir sur ma page Facebook. Oui. Régis Lachance, ambassadeur de l'effet WOW, ou Régis Lachance tout court. T'as deux pages Facebook? Ouais, ben, j'ai une page personnelle. Puis l'autre page professionnelle, exactement. Okay. Fait, j'invite tout le monde à aller me dire un petit coucou. Oui. S'ils veulent me donner un petit pouce, c'est à eux ouais. Libre à... On peut te souhaiter quoi pour les prochaines années? Le meilleur de moi-même pour l'offrir à le plus de gens possible. Mm. C'est vraiment ça. Mm. Un rêve que tu souhaiterais réaliser? Aller en Europe d'ici 2 ans. C'est vrai? Oui. Ouais. Aller donner des conférences? Oui, donner des conférences, des ateliers, des prises de conscience. Je veux faire vibrer la planète. c'est pas compliqué. Elle vibre déjà. Je veux donner beaucoup d'énergie. Je sais que j'ai beaucoup d'énergie, puis je veux le partager. Je veux expliquer aux gens qu'ils peuvent s'amuser, d'avoir du plaisir, d'être émerveillé comme un enfant. Comme je te dis, j'en ai pas eu d'enfance. Fait que peut-être qu'il y a des gens qui vont me trouver trop bébé ou quoi que ce soit. C'est correct, ça leur appartient. Moi, j'ai le goût d'être mon enfant qui est au niveau de l'émerveillement, de le partager aux gens. Et je suis rendu là. Tu aimerais qu'on se souvienne de toi comment? Comme une personne qui est authentique, qui est vraie, qui est naturelle, qui est. On écrit quoi sur ta pierre tombale? Qu'est-ce qu'on écrit sur ma pierre tombale? Wow, toute cette énergie! Mais le mot wow, pour moi, signifie beaucoup. C'est une expansion de tout, hein? Parce que quand on regarde un petit enfant s'émerveiller, les yeux brillent, tout le corps réagit. Il y a une vibrance là qui est extraordinaire à ce mot-là. Fait que pour moi, le wow, soyez wow, aimez-vous, Colin, puis alléluia. Alléluia. Tu sais que ce sont les derniers mots de Steve Jobs, hein, le président d'Apple, alors qu'il mourait. Sa sœur a raconté par la suite, elle était présente lors de son décès. Alors qu'il rendait son dernier souffle, il a dit « Oh, wow ». Ah ouais. C'est spécial, ouais. Hein? Fait qu'il voyait vraiment... Il voyait autre chose qu'on verra peut-être à ce moment-là, nous. Exactement. Aussi. Là, mais... On n'est quand même pas pressés. Là, non. On n'est pas pressés d'y aller. Non, ça presse pas. Puis de toute façon, on n'a pas grand contrôle là-dessus. Non, effectivement. Faut vivre le moment présent puis essayer de pas avoir peur de la mort non plus. C'est un beau passage, mais il arrivera quand il arrivera. Alors là, tu fais de la massothérapie encore au 10-30 à Brossard, au Strom, hein? Au Sky Spa. J'en fais à la maison aussi, à Candiac. Okay. Si on veut des rendez-vous, on peut te rejoindre sur ta page Facebook. Oui, sur ma page Facebook, ou sinon je peux laisser mon numéro de téléphone en onde, si tu veux. Si tu veux. Alors, vous pouvez téléphoner au 514-996-6423, et non pour une danse, s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai qu'avec cette voix-là, ça avait l'air de ça. Je voulais, avant qu'on termine là-dessus, je vais reprendre ma phrase. Je pense que je commence à être perturbée moi aussi. Alors, le 3 juin, je voulais inviter tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Je fais une première journée porteur d'espoir. Pour ceux, entre autres, d'entre vous qui aimez l'émission aujourd'hui, vous découvrez des gens extraordinaires comme mon ami Régis qu'on a ce matin, comme Jean-Charles Chabot qu'on a reçu la semaine dernière, comme mon ami Sylvain Boudreau qui sera ici la semaine prochaine. J'ai décidé que ce serait le fun de les avoir en live, en vrai, et de vous faire découvrir des gens exceptionnels. Alors, la première édition de cette journée porteur d'espoir, je cherchais un titre pour cette journée, puis évidemment, ça s'est imposé tout seul. La première édition, c'est le 3 juin, et il y aura... Jocelyne Ferfer, qui vient de Lyon, qu'on salue, qui est toujours à l'écoute. Jocelyne sera ici avec nous. Jocelyne est neurothérapeute en Europe et elle fait la déprogrammation des traumatismes. Et je souhaite que tu la rencontres, Régis. Je pense qu'il y a des choses intéressantes pour toi et pour elle là-dedans. Jocelyne sera mon invitée ici le 30 mai. Le 31 mai, au soir, elle donnera aussi un atelier d'hypnose et il y aura un atelier d'écriture en même temps, à la suite, avec Patrick Pelletier. Et ça se fera à l'Hôtel Québec,
le 31 mai au soir de 7h à 10h. Et le 3 juin, ben, c'est de 8h30 à 16h30. Donc, il y a Jocelyne Ferfer, il y aura aussi Joanne Côté qui est venue nous parler de sa guérison, de la nutrition que vous avez tellement aimée, qui était probablement celle qui a eu le plus de commentaires lorsqu'elle est venue à l'émission l'an dernier. Il y aura Mathieu Lippé, notre conteur, poète, chanteur, slameur, mon ami que j'aime tant, qui viendra nous parler sa nouvelle conférence qui s'appelle « Le chemin de guérison ». Et il viendra faire quelques chansons pour nous. Alors, Mathieu sera là aussi. Il y aura moi, évidemment. Je vous ferai une petite conférence au début de la journée. Et il y aura Francine Saint-Pierre, qu'on a reçue ici l'an dernier, une de mes premières invitées, qui est venue nous parler de tout ce qu'elle avait vécu dans son enfance, puis comment elle avait pardonné à son père, puis qui est une artiste peintre extraordinaire, qui est une femme d'affaires, qui a reçu beaucoup d'honneurs ici à Québec. Qui va venir nous parler comment la douleur a contribué à son éveil spirituel. C'est de toute beauté. J'ai bien hâte de l'entendre aussi. Et alors là, faut pas que j'en oublie. Il y a moi, il y a Jocelyne, il y a Mathieu, il y a Joanne, puis il y a Francine. Alors, on sera les cinq là. Régis, je t'invite. Je souhaite que tu sois là. Tu vas faire partie de la prochaine édition qui aura lieu probablement en septembre. Au plus tard, en septembre, parce que si c'était moi, j'en ferais cet été, mais je pense que ça n'y aura pas beaucoup durant l'été. Parce que je pense que c'est un beau cadeau à se faire d'inviter les gens, alors à venir découvrir en vrai ces personnes-là. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur ma page Facebook, vous pouvez aller aussi sur mon site web à dianegagnon.net/événements. Vous allez avoir tous les détails. Il y a des prix si vous venez, des prix spéciaux si vous venez à deux. La deuxième personne paye presque rien. Alors, tous les détails sont là-dessus. Vous pouvez aussi aller sur la page Facebook Diane Gagnon Perso Complet ou sur celle Diane Gagnon Auteur Coach. Cet événement-là est annoncé. On espère vous voir en grand nombre le 3 juin. Ça a lieu à Québec. À l'Hôtel Québec, sur la rue des Hôtels, à l'entrée des ponts, ça se fait très facilement. Une belle salle avec une fenêtre sur l'extérieur. Alors, on va être bien et on va avoir beaucoup de plaisir. Alors, Régis, tu vas être avec nous? Avec un très grand plaisir. Je vais te présenter aussi parce que je veux que les gens découvrent qui tu es puis que tu te fasses désirer durant tout l'été pour que tu sois là en grand nombre aussi en septembre. Tu nous rappelles ton numéro de téléphone pour que les gens, là, tu vas avoir plein d'appels de madame qui vont vouloir avoir un rendez-vous avec toi. C'est terrible, hein, mais... Alors, j'y vais. Mon numéro de téléphone est le 514-996-6423. Et vous pouvez aussi aller voir mon site web au www.regislachance.com. Ah, tu vois, je savais pas que t'avais un site web. Et oui, toutes les informations vont être là-dessus sur mes nouvelles conférences aussi. C'est bon. Alors, on est dans la création. C'est Véronique qui fait ton site web. Oui, c'est Véronique qui s'occupe de moi, effectivement. Puis là, tu vois, étant en vacances, on aurait pu ajuster quelque chose pour aujourd'hui, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps. Mais j'invite les gens à venir sur mon site Internet. Ouais. L'infolettre va être disponible très bientôt. Je peux pas vous dire qu'est-ce qu'on va vous offrir, mais ça va être quelque chose de extraordinairement wow. OK, on a hâte de voir ça. Régis, merci infiniment de ta présence à l'émission. C'était un beau cadeau, c'était génial, c'était simple, c'était plein d'amour puis d'ouverture, puis j'aime beaucoup ton authenticité, puis le fait que tu te livres aussi facilement que ça, je pense que ça ne peut qu'aider les gens à retrouver espoir dans ce qui leur arrive, parce que souvent quand on est pris dans nos problèmes, on a l'impression qu'on s'en sortira pas, mais on peut toujours s'en sortir, toujours. Puis je te dis un très grand merci de m'avoir invité, je remercie tous les gens qui m'écoutent présentement, puis apprenez à vous aimer, aimez-vous, puis la vie va vous le rendre, je vous le garantis. Oui. Et merci infiniment d'avoir été à l'écoute. Merci Diane. Merci Régis. Alors chers auditeurs, je vous dis bonne semaine. Profitez du beau temps. Amusez-vous. Apprenez à vous aimer. La semaine prochaine, mon ami Sylvain Boudreau va venir nous parler. Ça va être super intéressant aussi. Une autre dynamo qui va être présent avec nous. Je vous embrasse. Je vous dis ciao. À la prochaine. Bye. Sans elle, une étoile dans le ciel. Je nage en plein délire parmi les âmes en peine. Les années passent,
La routine nous écrase depuis la fin des classes. Je suis en tournée dans les bars. Rien dans la tête, testostérone dans les balls. Né dans la neige pour que l'homme marche comme un boss. J'ai longtemps attendu, maintenant ça me tend plus. J'ai envie de me lancer dans le vide et de trouver le vrai diamant brut. Je parcourir la terre entière en répétant ton nom. Quitte à déplier tout l'argent que j'avais mis dans mon compte. Aphrodite, comment mettre mes bitons, Apollon. On a grandi la colonie, baby, je serai pas top à corrompre. Des synonymes de paix comme la colombe. Genre de femme pour qui je serais prête à faire le tour du monde. Je demande une rançon en t'écrivant une chanson. Avant que le cœur perdu dans le fond de ma poitrine s'enfonce. Dans sombre, stress et tension. Rencontre entre maladresse et bonnes intentions. C'est la sagesse qui mène à l'adresse des champions. Né parmi les rois, je voulais pas mourir en pion. C'est normal si t'as les mains gelées. J'suis encore en train d'attendre, au pire je deviendrai cinglé. Entre à la maison, au moins tends-moi la main, mais embarque avec moi une fois pour de bon jusqu'à la fin. Vrai comme nos deux noms gravés dans l'écorce, les mains dans les poches, on s'est jamais croisés à l'école. J'ai pas des tonnes de billets, j'ai juste des belles paroles dans mes strophes. Je chanterai les plus jolies pour que tu t'endormes dans mes bras. Les journées sont longues, mon amour, je vais tout faire sauter. Seul comme un fou loin tes courbes et ta beauté. Je tourne autour de chez toi dans l'espoir de me sauver. Faire le tour du monde, passer avec ma déesse à mes côtés. Plus on attend, plus c'est macabre. Donne-moi ton cœur, ce coup-ci, baby, je te promets, je ferai ma part. Je peux comprendre que ce soit difficile à croire. Mais vu d'ici, je t'assure que la flamme est facile à croire.
c'est la mort.